Nana Patricia, je vous dis bonjour. Partagez le direct, partagez s'il vous plaît. Marie-Laure, partagez le direct, s'il vous plaît. Rosine, partagez le direct. S'il y a pas le monde de la balance, partagez. Hey! Un big up, hein? Partagez le direct, ils ont dit qu'ils peuvent, non? Tata Lolo peut. Je suis canadien ce soir. Un big up à mon canadien, hein? Voilà, le sel lui dit. Mon canadien à moi. Je me manque la sélection. C'est pas dans la carrière pour ma femme maintenant, quoi. Mon big up, mon canadien à moi. Paul Macron, bonsoir. Paul Macron. Bon quoi, beauté. Bonsoir. Ils vont s'y aller. Partagez le direct. Partagez le direct. Je n'ai jamais au Canada, mais mon prince canadien, mon prince de la femme, mon mieux canadien, c'est mon garçon d'avant moi qui m'a offert le meilleur du Canada. Voilà. Je ne bouge pas à mon mot face sur place. Voilà le t-shirt du Canada. Je suis une Canadienne, mon prince Canada, le rival de Papa Fodia. Je te fais des gros bisous là-bas. Merci pour tout. Merci. Je t'adore, ton cœur. Merci beaucoup. Mon prince canadien. Madeleine, bonsoir. Désiré et même jour. Bonsoir. Non, c'est la musique. Il n'y a pas de problème pour ça. Après, je vais aller. Alain Judith. Salut Lolo. Ça fait plaisir de te revoir. Merci, chérie. Solange Caramo, bonsoir. Adja Damé, comment tu vas, chérie? Karim Floa, moi, ma petite soeur d'amour. Partagez, ouais. Parce qu'on va pas rester longtemps. Moi, j'ai la musique, j'ai la. Partager. Sophie Confonke, bonsoir. Comment tu vas, ma fille? Judith Hapschler, l'enfer. Oh, ma petite soeur, je suis très heureuse pour toi. Vraiment, ça fait quand une de mes petites soeurs s'est mariée. Elle s'est mariée hier, même quand moi, elle peut inviter ta soeur et toi. J'étais présente dans vos cœurs. Je suis très fière de toi. Big up à toi, ma petite soeur d'amour. Alors, je vais partager cette photo. J'ai choisi la plus belle. Et je vais la partager pour que les Lolomania et les Spotless te mettent des félicitations. Bonsoir, Pichu Bénéné. Bonsoir, la Spotless Pichu Bénéné. Marie-Vicky, enlève la musique. Si je l'ai fait, c'est bon. Josh, et voilà. La PM est là. Bonsoir, la PM. On va faire vite parce que la PM est sentie. Gars, vous voulez qu'on doit faire. C'est vous voulez le direct. Les gens s'assaisent le matin, le soir, ils m'insultent en longueur de journée. Et je dois laisser chanter. Bonsoir. Bonsoir Marie-Céline Gombalène. Bonsoir. Bonsoir Francis Libéral. Bonsoir. Bonsoir. Je vais le dire. C'est pas le long, moi, pas oublié sur la toile. Je vais pas enlever les lunettes. Pas quand même pour lui. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bouchou, bonsoir. Comment tu vas? Karine Flore, ça va mieux sans musique. D'accord, ma petite soeur. Je vais essayer de partager sur mes pages aussi. Parce que là, on a besoin que les gens viennent écouter. Et en passant, je veux souhaiter une bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais, à la jeunesse camerounaise, que je pense qu'il y a une jeunesse camerounaise au Cameroun.
parce que le Cameroun va mal, nos jeunes sont délaissés, nos jeunes ne savent où ils vont, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, les jeunes pleurent tous les jours, la jeunesse africaine va mal. J'ai enlevé les lunettes, Diane Rosine, j'ai enlevé. Les jeunes vont mal, la jeunesse camerounaise est en dérive, rien ne va dans la jeunesse camerounaise. Alors je vais mon direct pour lancer un appel au gouvernement de créer des fortitudes pour la jeunesse. Il y a ceux qui n'ont pas, il y a des jeunes qui ne sont pas. Regardez un peu le système social ici en Europe. Ce n'est pas tout le monde qui a la tête pour aller à l'école. Il y a ceux qui n'en ont pas, d'ailleurs. Alors, il y a des métiers, comment on dit, on peut créer des sociétés, des trucs d'apprentissage pour apprendre des métiers, diriger les enfants vers ce chemin-là. Ceux qui ont plus la volonté d'aller à l'école, ceux qui n'ont plus envie d'aller à l'école, on peut les apprendre des métiers qui vont leur aider plus tard. Donc, essayer de faire quelque chose pour les jeunes. On va fêter, on va dire bonne fête de la jeunesse pendant que les jeunes ne se retrouvent plus. Les jeunes de maintenant sont emportés dans des bruits d'alcool. Les jeunes de maintenant sont emportés vers la vie facile. Disons, en allant se prostituer. Les jeunes filles aujourd'hui au Cameroun ne savent plus où aller. Elles sont abandonnées à eux-mêmes à 15 ans, 14 ans. Les jeunes filles se retrouvent à se prostituer. Tu prends une fille au Cameroun de moins de 17 ans. Déjà 3 enfants, ça veut dire que ça va très mal. Alors j'implore le gouvernement camerounais de faire quelque chose pour la jeunesse, parce que la jeunesse c'est notre futur. Voilà, on ne peut pas avancer sans construire le futur. Et le Cameroun a besoin de ces jeunes demain ou après-demain. Alors s'il vous plaît, à toute la jeunesse camerounaise, à tous nos dirigeants camerounais, d'essayer de créer des métiers, des infrastructures, des trucs pour diriger d'autres enfants vers le comment on dit ça? Pour ceux qui ne peuvent plus aller à l'école, d'apprendre des métiers qui peuvent les aider plus tard. Nous en avons besoin. Le Cameroun a besoin de ça. Les jeunes Camerounais ont besoin de ça. Arrêtons de voir nos enfants aller mourir dans l'océan Atlantique parce qu'ils veulent le chemin de l'Europe. En Europe, tout n'est pas facile. Il y a des difficultés en Europe. La vie n'est pas rose ici. Il y a une vie meilleure en Afrique. Il suffit seulement de cadrer ces enfants-là. Ils ne viendront plus. Ils prendront des risques pour aller dans des pays autres où ils vont trouver parfois la mort, parfois les viols, parfois tout ce qui est mauvais. J'implore ce gouvernement de faire. C'est bien beau de dire bonne fête de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour leur venir en aide? Qu'on fait pour que des mois après demain, nos enfants ne se retrouvent pas dans la rue, des enfants ne se retrouvent pas des nangabos, des prostituées. C'est aujourd'hui des femmes qui sont sur la toile, sont en train de propager le métier de la prostitution. Aujourd'hui, je sais qu'elles ont quoi comme exemples, alors que non, nous ne sommes pas des exemples. Et la raison pour laquelle nous sommes là, pour vous donner des conseils, de ne pas nous suivre, d'aller à l'école. Si vous ne pouvez pas aller à l'école, prenez le chemin d'apprentissage. Il y a des métiers. Il y a des métiers comme être couturière. Il y a la PM Marie La Rose qui vous a fait des perruques. Et alors, elle fait le métier de la coiffure. Elle gagne sa vie grâce à ses doigts. Elle court des perruques. Elle fait des coiffures. Elle fait des essais. Et aujourd'hui, ça paye. Essayez de faire des métiers comme ça. J'implore ces jeunes. Allez, aide de l'avant. Allez. Là, j'ai pas mal. Aujourd'hui, tu vois nos jeunes enfants. En Europe, c'est pas le paradis. En Europe, il y a des inconvénients. Vous allez vous rendre compte qu'en Europe, il y a des jeunes garçons qui se prostituent parce qu'ils veulent de quoi manger. Ils cherchent où dormir. Ils sont obligés de se prostituer parce qu'ils n'ont rien appris dans leur vie. Ils n'ont pas appris un métier. D'ailleurs, en Europe, ils sont perdus. C'est très dangereux. La geste africaine, oh, arrêtez de me dire que je relance la vie qui va mal. Je vais couper, je vais relancer quand même. Bonjour, la mère. Les têtes de mort, bravo. Moi, je ne vois pas les têtes de mort, chérie, Vivi Choco. Vivi Choco, s'ils mettent les têtes de mort, toi, tu mets les têtes, tu mets les cœurs à Tata Lolo. Solange, quoi, là? Bonsoir. Bonsoir. Karim Flo, à moi, signale. Ah, bon, signale. Moi, je parle pas mal, je parle de la jeunesse camerounaise. Coupe ton direct, il signale. Oh là là. En tout cas, je dis merci à mon Canadien parce que vous croyez que Lolo n'est pas aimé dans le monde. J'ai eu la chance d'avoir un
un prince charmant, un garçon très élégant, doux et gentil. Il m'a dit, Lolo, je t'aime trop, tu es une très belle femme. J'aime te voir, j'aime ce que tu fais, j'aime ton émission à cœur ouvert, j'aime ta personne. Alors je vais t'offrir un très, très beau cadeau, un cadeau très symbolique. Je vais t'offrir, tu n'as pas encore eu la chance de venir au Canada, mais je veux que tu portes ça, un t-shirt du Canada, un chapeau du Canada. C'est très spécial, c'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui sont allés au Canada qui n'ont même pas un t-shirt canadien. Moi j'en ai. Voilà, j'ai un t-shirt canadien. Un t-shirt, un chapeau, merci à toi. Non, je ne peux pas couper le direct, relance le direct, ma chérie. Ça ne sera pas la solution. Ça bug, impossible de suivre avant. Merci pour butoir. Donc, vous n'arrivez pas à me suivre. Vous n'arrivez pas à me suivre alors. Tu es très belle, Paul Macron. Merci beaucoup, Paul Macron. Ah ben, ça, c'est un nouveau FP, hein. Paul Macron, ah, c'est très beau. Sylvie et Lolo ne sont pas les têtes de mort. Sylviane Royal, Lolo, ce ne sont pas les têtes de mort, mais juste des smileurs qui expriment la colère. Les gens l'utilisent mal, ces smileurs. Expriment juste de la colère, pas l'amour. Smiller, voilà. J'adore ma tata Lolo, merci. La camère perdue, Mboro, Butoro. Ah ouais, Butoro là. Elisa, Elisa, comment tu vas? La team de l'eau. Oh, Elisa, Elisa, merci beaucoup, Elisa. La team de l'heure. Trop bête, mais Elisa, ma petite soeur Judith dit quoi? L'autre, non, c'est la connexion qui dérange. Ma connexion dérange. En fait, on n'écoute pas bien. Vous n'écoutez pas bien. Là, vous écoutez bien, alors. C'est bon comme ça. Vous écoutez bien comme ça. C'est bon. Vous écoutez. Voilà. D'accord. Donc, c'est parce que c'était. J'expliquais pour la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse au Cameroun. Voilà, tout à l'heure, comme je disais, que la jeunesse camerounaise va mal. On a vu ici, nous tous, nos jeunes frères, des jeunes enfants de 15 ans, 14 ans, s'aventurer vers l'Europe, apprendre des chemins difficiles, les chemins de la mort, parce qu'ils croient, ils se disent que l'Europe, c'est la terre promise, alors que l'Afrique est riche. Nous avons beaucoup de richesses, mais le gouvernement ne fait, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Donc, il n'y a personne pour sauver ces jeunes-là. Alors, je profite de ce jour, ce jour. La jeunesse des jeunes au Cameroun, j'implore le gouvernement camerounais à faire quelque chose pour ces jeunes-là. Les jeunes ont besoin de vous. Créer des infrastructures, créer des endroits où des jeunes peuvent aller faire des formations. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour aller à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas cette tête-là d'aller à l'école, mais qui peuvent faire autre chose. Il faut les diriger vers des apprentissages. Apprentissage, ça veut dire qu'ils peuvent être des mécaniciens, ils peuvent être ils peuvent même être des coiffeuses, des couturières, créer des infrastructures, des trucs comme ça. Après l'école, ça ne va pas, on peut diriger l'enfant par là, mais que ça soit même pas, ça doit être gratuit, ça ne doit pas être payant. Essayez d'imiter un peu le système européen. Parce que si on laisse notre jeunesse comme ça veut dire que dans 20 ou 30 ans, nous n'aurons pas une bonne relève. Il faut laisser, il faut souder, il faut, comment ça en français, il faut assurer la relève. S'il vous plaît, remplissez vos caisses, vos poches, mais pensez aussi aux jeunes enfants que nous allons laisser demain ou après-demain. Parce que ces jeunes-là, quand nous serons plus là, demain, ils seront abandonnés à eux-mêmes. La jeunesse a besoin de nous. Même nous, les gens de la diaspora, si nous pouvons souvent créer des petits groupes, essayer de collecter même des sommes pour aller même construire, je ne sais pas, des écoles ou je sais pas, des centres de formation pour des jeunes. Ce n'est pas de venir vociférer, de raconter du n'importe quoi sur la toile, d'insulter, de faire tout ce que vous faites là. Non, nous, comme
ça dépend des paroles de la diaspora. Nous pouvons nous rassembler autour d'une table, faire des collectes, prendre cet argent, aller construire même un centre de formation pour des jeunes filles qui n'ont pas de moyens, essayer de leur apprendre des salons de quoi, d'embaucher quelques filles qui ont de l'expérience dans la coiffure, dans la couture. Une ONG comme ça, et récupérer toutes les filles qui sont dans la rue à 14 ans, à 15 ans, à 13 ans. Qui vous se fait pour avoir de quoi manger au lieu d'aller se faire niquer par se faire baiser par un homme pour 1000 ou 2000 francs et alors l'exposer aux maladies très dangereuses comme le sida, comme l'hépatite, comme la syphilis, comme beaucoup tant d'autres maladies sexuellement transmissibles, MST. Alors j'implore vraiment notre gouvernement de mettre les choses en marche pour protéger la jeunesse camerounaise. Vraiment, et vous les jeunes, ne vous fiez pas à la vie facile. Mais nous, au moins, comme moi, je parle de moi personnellement, j'ai eu cette chance que je suis en Europe. On va beau bien dire que Tata Lolo n'a pas réussi sa vie. Je ne peux pas vous mentir que je suis ici en Europe. Je ne suis pas un milliardaire, je ne suis pas riche. Je ne suis pas trop comme d'autres personnes, mais je ne manque de rien parce que j'ai un chez moi. J'ai une assurance vie, j'ai ma fille qui vit bien, j'ai un homme. Déjà, je peux dire merci à Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ma place. Donc, je peux déjà dire, je ne vais pas épargner de ce besoin-là. Mais franchement, et puis je veux aussi faire un appel à l'aide à la diaspora européenne, à la diaspora de l'Amérique du Nord, à toute la diaspora, de venir en aide aux jeunes Camerounais. Nous avons la possibilité de le faire. Se rassembler autour des tables, de faire des petites réunions où on peut faire des collectes, aller créer des centres de formation pour aider nos jeunes. Parce que la jeunesse camerounaise va mal. Les jeunes ont besoin de nous. Arrêtons de leur donner, leur vendre le rêve. Moi, je ne vends pas le rêve. Je n'ai jamais dit que j'étais. J'ai bloqué Djenaba. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette bouffiasse-là? Je t'ai dit que tu n'iras pas à Banganté chez mon frère. Tu vas t'arrêter aux États-Unis pour faire ton mariage là-bas. Son casse-nan. Elle est où, cette Djenaba? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Elle, Djenaba. Va te faire foutre, espèce d'idiote. Va. Je t'ai dit que je vais plus te voir ici. Tu reviens toujours. Qu'est-ce que tu me veux? Je te veux pas. Voilà. Donc, pour moi, la jeunesse a besoin de nous. Voilà. Oh, mais Tata Lolo, comment va Gloria? Jean Debon, elle va très bien. Gaël Compressor, bonsoir. Donc, essayons d'aider la jeunesse. Essayons d'encourager ceux qui veulent aider la jeunesse, aider le Cameroun. Voilà. Ce n'est pas d'aller construire les milliards. La mère Teresa n'a pas laissé des immeubles au Cameroun, mais elle a laissé des choses. On parle d'elle aujourd'hui parce qu'elle était humanitaire. Elle a aidé des pauvres. Elle était avec des pauvres matin, midi et soir. Elle a laissé son nom qui est resté gravé dans la mémoire. On ne va pas, tu ne vas pas laisser ton nom parce que tu as conçu un immeuble de 10 niveaux. Ça va rester. Ça n'est pas pour le Cameroun. Ça ne va pas, ça n'aura pas vraiment un impact. Alors que si tu pars dans l'humanitaire, où on, nous, tout un groupe, comme les Spotless, nous pouvons nous rassembler, les Spotless, ensemble, dire, bon, Tata Lolo, comme tu es porte-parole des Spotless, il y a peut-être, on va créer peut-être quelqu'un qui est là pour s'occuper de finances, nous allons faire une collecte, on va essayer de faire des fonds, demander un peu aux gens de la diaspora de mettre un compte litchi en ligne, où on ira au Cameroun construire un centre de formation des jeunes filles pour où elles peuvent apprendre la coiffure, la couture, ou même acheter des houes pour aller dans les villages et puis essayer de sensibiliser toutes ces jeunes filles-là qui sont déjà dans les rues, d'aller vers elles et leur dire qu'il y a une autre, elles ont encore une deuxième chance, c'est d'aller vers ces centres de formation. Là, elles pourront gagner leur vie pour être indépendantes. Parce qu'une femme qui se prostitue, franchement, plus tard, elle reste comme ça, elle te dit je suis pas une femme, quoi. Donc, mère Thérèse calculata en Inde. Je ne sais pas compris ce que tu veux dire. Donc, essayons d'aider nos jeunes, essayons de leur apporter le meilleur de nous. Nous sommes à l'extérieur et on a la possibilité de venir en aide. Essayons de faire comme des Maliens. J'ai vu un reportage des Maliens qui vivaient dans un village. Ils se sont retrouvés en Europe. Chaque année, ils ont déjà conçu des écoles là-bas. Ils ont déjà fait beaucoup de choses. J'ai vu ça sur France 2. Voilà. Donc, ayons cet esprit patriote, ayons cet esprit de famille, ayons cet esprit d'union. Restons pas seulement là nous déchirer, à faire des directs de 4 heures pour parler de Lolo, alors que vous avez des vies de merde.
vous parlez de moi. Donc, vous parlez de moi en longueur de journée. Partagez le direct, les filles. Moi, partagez, s'il vous plaît. Jenaba, tu sais, elle est où cette Jenaba? Je l'ai déjà bloqué, chérie. J'ai déjà bloqué Jenaba. C'est une sale chienne qui passe sa vie à pavaner sur Facebook. Moi, je suis sûr qu'elle atteint plus son orgasme. Parce que son mari n'est plus là pour elle. Son orgasme, maintenant, elle le prend sur le commentaire de Facebook. Il faut laisser ces baby galeuses-là. Et l'autre type-là, tu as commencé sur moi. J'étais oublié depuis. J'étais dit que tu ne seras jamais mon président. Jusqu'à la terre finie, j'ai deux présidents. Président Macron et président Paul Biya. Macron parce que je vis en France. Et président Paul Biya parce que je suis une Camerounaise 100%. Je n'ai pas le passeport Bordeaux. Je suis Camerounaise 100%. Donc tu ne seras jamais mon président. Enlève mon nom dans ta bouche. Je ne te connais pas. Tu étais parti monter le coup. Ton coup a réussi. Tu dis que c'est que tu ne seras jamais plus. Tu fais encore les soirées. Ton dossier va venir. Je vais m'asseoir sur toi dans la semaine. Ne crois pas que je t'ai oublié. Je n'ai pas peur de toi. Le coup que tu avais monté pour venir me salir sur la toile, pour qu'on me vilipente sur la toile, ça ne me frôle pas. Ça ne me frôle pas. Vous êtes petite et vous n'êtes comme ça là. Je dis que vous êtes trompé d'adversaire. Moi, on a montré ma chambre parce qu'on a volé mes photos. Pour ta femme, elle exposait ça gratuit pour 1000 francs de pouvoir. Donc avant de parler de mon nom, assois-toi bien. Comme tu ne veux pas rester tranquille. On dit que reste tranquille, tu continues. Mais ça, tu vois que tu ne vas plus dans les restaurants et tourner dos. Tu es rentré, retour aux sources. C'est comme ça. Paris, la tombe des géants. Vous aimez souvent faire pap, 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 taper la bouche dans zéro. Vous retournez toujours aux sources. Fabrice dit du courage, tu as notre. Non, chérie, il n'y a rien de courage là, bébé. Je vais très bien. Regarde ma tête. Tu vois pas comment je suis jolie? Avec ma casquette que mon Canadien m'a envoyée. Mon prince canadien, mon prince de Bafoussam. Il m'a envoyé. Il est trop mignon. Hein. Et il est hacké. Il a le style, pardon. Il est doux. Il est beau. Partagez le direct. Vous allez que vous voulez les voices. Non, voilà les voices. Vous allez que je n'ai pas les voices. Non, j'ai les voices. Je vais vous chicoter aujourd'hui. Parce que, quand vous venez vous plaindre, vous avez fait des heures de direct hier pour Tata Lolo. Tata Lolo, c'est celle qu'on ne déstabilise pas avec les injures. Vous n'avez rien compris. Si vous avez compris depuis, vous avez dit que les injures, là, ça ne sert même à rien. Tellement vous avez déjà insulté que... Vous avez tellement insulté. Vous insultez aujourd'hui. Vous insultez demain. Vous insultez après demain. Ça n'a plus d'effet sur nous. Ça n'a plus d'effet sur moi. J'ai vu quand vous avez fait ce jeu avec compresseur. J'ai vu. Vous avez fait le même travail avec cette compresseur, la petite compresseur. Vous l'avez tout. Mais si je suis arrivé sur la toile, c'est parce qu'au moins j'en avais marre de voir cet enfant seul parmi au moins plus de 7-10 personnes. J'en avais marre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas venu chercher la célébrité. Je suis venu là pour soutenir ma petite soeur. Même si après il y a eu des problèmes, ce n'est pas grave. Les enfants de même père, même mère, se bagarrent, après ils s'arrangent. Mais vous approuvez aujourd'hui que j'étais sa sœur, j'étais son amie, elle m'a soutenu. Je venais là pour elle. Vous avez votre vampire, ça a causé ce qu'il y a eu à causer. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, moi j'ai pris conscience. Même si elle m'insulte demain, je ne vais plus jamais la reprendre. Je vais la respecter parce qu'elle m'a montré ce qui... Elle m'a soutenu quand je ne m'attendais pas. Vous avez fait ça à beaucoup de personnes. Vous êtes toi là. Gohou. Tu sais qu'on appelle maman Philomène. Maman Philomène t'a appelé. Elle s'est confiée à toi. Tu es comme son fils. Ça ne t'a pas appelé de venir mettre ses voices où elle dit qu'elle fait le camion. Tu sais que dans ce camion-là, elle nourrit des familles au Cameroun. Tu sais qu'elle a des sœurs, elle a des frères. Si tu as pensé à sa santé, non. Tu le faisais, tu rigolais. Mais aujourd'hui, comme c'est ta sœur Baham, tu oses dire qu'elle n'a pas parlé de qui? Elle a bien parlé. Elle a bien parlé. Elle a bien dit des choses. Elle a bien dit des choses. Excuse-moi, Elodie Goldfinger, tu es venue en retard. J'ai déjà parlé de la jeunesse camerounaise. J'ai dit ce que j'avais à dire concernant la jeunesse camerounaise. Et là, je suis allé maintenant dans un autre... J'ai pris un autre thème, là. Voilà. Donc, ça veut dire que, comme aujourd'hui, c'est ta soeur Baham, tu veux prendre les vents pour dire que même si tu dis quoi, ça va pas se gâter. Je m'en fous. Je vais dire. Même Marie à Satan sait que ce que j'ai dit, c'est vrai. Moi, je suis pour les filles que je m'assois le matin, j'invente. C'est comme vous vous inventez. Vous avez d'abord dit que j'étais en Guinée équatoriale avant d'aller au Gabon. C'est faux. J'étais au Gabon et puis je suis allée en Guinée équatoriale en tant que commerçante. En tant que commerçante. En Guinée équatoriale, j'étais une femme
qui vivait avec un homme. Je n'étais pas une prostituée. Alors si ça y va en Europe, j'ai eu ce que je voulais. Je suis en Europe. Je n'ai jamais. Vous avez déjà inventé des vies sur moi. Vous dites que je n'ai pas accouché. Vous connaissez des milliers de femmes qui vous suivent qui n'ont jamais accouché. Hein? Vous connaissez des femmes qui vous suivent tous les jours qui n'ont jamais accouché. Vous insultez tous les gens. Vous prenez tous les partis où ça pique. Mais quand on vous pique, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Si vous n'avez pas 1000, moi, ne partagez pas le voice là. Le 1000 là va arriver, mais partagez le voice de Nelly Djoko, alias Caterpillar, avec sa grosse tête qui arrive, qui est comme le vourri. Je vais partager. Aujourd'hui, vous pleurez. Quand j'étais humilié sur la toile, vous avez pensé que j'étais aussi l'enfant de quelqu'un? Vous êtes soucié de Luis Gloria? Vous êtes soucié de mes frères? Vous êtes soucié de ma famille? Est-ce que vous avez pensé un seul instant que si ma mère vivait tant qu'elle avait vu, même ma mère ne vit pas, mais j'ai une tante. J'ai la prison de ma mère qui est vivante. J'ai Manal Antonganès qui est la prison de ma mère. Vous avez pensé à tout ce que j'ai pu, les souffrances que j'ai pu avoir pendant que vous étiez même se moquer de moi. Qu'est-ce que je vous avais fait? Vous m'avez appelé maman écarté. Cette mariée à Satan n'a pas écarté le clitoris. Si on a vu ses photos, où elle a écarté son clitoris. On n'a pas vu ses photos, où elle se la bite. Qui s'en est moqué? Personne. C'est passé inaperçu. Mais pour moi, vous avez célébré. Vous avez jubilé. Vous m'avez insulté. Vous avez insulté mon enfant. Vous l'avez traité d'une petite fille qui s'est fait sodomiser. Vous avez tout dit sur moi seul. Lolo n'a jamais répondu. Le jour qu'elle se m'a fait tac, c'est les directs par-ci. C'est les directs par là. Venez me montrer. Venez me faire voir votre entrée en Suisse hier. La Suisse a dit non à la nudité de la femme sur la toile. Vous êtes passé là qu'un temps. Personne ne s'est levé pour vous applaudir. Prenez conscience. Les gens vous regardent. Personne ne s'est regardé pour vous applaudir. Tu es entré en Suisse hier comme une poule mouillée. La honte au corps. Shame. C'est rien que le début de ta descente aux enfers. Tu vas regretter les fesses des femmes que tu publies sur la toile tous les jours. Le mal finit par le mal. Ta récompense sera très rude. Le Seigneur va te frapper très bien même. Tu as fait, on t'a regardé. Mais le tout si, tu as touché l'enfant de l'Éternel. Tu as touché l'enfant de la veuve Mbiaye. Tu as touché l'enfant de la madame Mbiaye. Une fille comme moi, bonne et gentille. Toi, Gohou, tu viens me parler, tu viens m'insulter, tu dis que je n'ai rien. Tu t'es regardé. Dis-moi pourquoi tu n'as pas grandi depuis. T'es tellement méchant. Regarde comment tu es. Un homme qui se décape. Tu as commencé le maquillage. Tu as arrivé à l'anniversaire de Maria Satan. Qui t'a couvert quand Macabo te regardait? Qui t'a couvert quand Achille te regardait? C'était moi, Lolo. J'ai rigolé avec toi. Tu es venu m'embrasser. Tu t'assois, tu parlais de ma vie. Tu es parti chez un vieux blanc en retraite pour attendre la vieille maison. Tous les jours, tu ramas le savon, il te met par derrière. Tu viens me parler. Le jour que tu vas te reposer, le jour que tu vas changer, va changer ton bangla, tu mets la chatte. Tu viens, on discute. Pour le moment, il te considère comme un homme. Même comme tu portes les couches. Je n'ai pas envie de te rendre célèbre. Depuis qu'on va te rendre, tu n'es jamais célèbre. Tu es toujours dans l'homme. Tu es toujours pareil. Tu ne me connais pas. Moi, je venais te dire bonjour devant ta porte. Moi, je ne suis pas Marie-Louise Maga. Je ne suis pas compresseur, je n'ai pas peur de quelque chose. Tu as dit que tu peux, non? Je viendrai. Je ne te donne pas rendez-vous. Tu me verras un jour. Et c'est ton mari là. Je vais lui rendre hétéro. Je vais lui faire baiser la femme. Il va faire l'amour à Lolo. Il va me faire l'amour. Je vais devenir ta rivale. Moi, je vais devenir ta rivale. Tu comprends? Qui a écrit ici là? Eric Aseki. Ici, je ne veux que la team de Compressor, la team de Marie Larose et le mouvement de Tata Lolo. Et si une fille veut écrire mal, vous me dites, je bloque. Tu viens me parler. Quand je t'ai rencontré la première fois, tu puais comme le moukolo. La viande, le poisson pourri qui a fait au moins 10 ans dans, je ne sais pas où. Elle est où cette Erika? Je ne la vois pas, ma chérie. Est-ce qu'elle commence? Partagez la vidéo, maman. Partagez la vidéo. Vous m'avez tant fait du mal. Je vais vous citer les gens que vous avez humiliés, insultés sur la toile. Vous avez détruit des familles. Vous avez détruit des vies. Vous avez exposé des gens. Même ceux qui ne voulaient pas venir sur la toile sont venus sur la toile à cause de vous. Combien de mal vous avez exposé la femme camerounaise dans le camion en Europe?
Vous êtes venu montrer la femme camerounaise en Europe dans le camion. Vous êtes venu montrer au monde entier que les Camerounais font 20 euros dans le camion. Vous connaissez les... ce que vous avez fait aux femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les femmes en Europe. On s'est débrouillé comme on s'est débrouillé pour nourrir nos familles en Afrique. Vous êtes venu mettre vendre la femme camerounaise au marché. Aujourd'hui, vous venez dire que Marie Larose est togolaise. Elle n'est pas togolaise, c'est une Africaine, une Camerounaise. Moi, je la soutiens. Ah oui, je la soutiens 100%. Tu vois qu'elle ne parle pas l'allemand. Tu me demandes si elle parle l'espagnol. Yo, blesse-moi bien. Je comprends bien l'espagnol. Je parle, je comprends l'allemand. Je comprends un peu d'anglais. Je parle pas le français. Je suis pas aussi mon patron, le banganté. Je suis banganté 100%. Maman Jombap. Mon père est Tama. Parce que sa mère était Bangla. Pas les jolos chez la maman. Et ta mère était Bangla. Son père était Tantan. Ma mère Basamba Bantoun. Tu as compris? Banganté 100%. On n'a pas besoin de banganté la chifferie. Et honte à ces bangantés. Honte à vous les filles banganté. Honte à vous les banganté qui osent accepter qu'on humilie le village. Un département de trois lettres. Noblesse, dignité, élégance. Des bangantés qui essaient qu'on humilie le village. Même si nous sommes des chiens, tu ne verras jamais un doigt là. C'est qu'on dit que le doigt là n'a rien. Mais vous les bangantés, vous avez accepté qu'on nous enterre dans les champs de ferraille. Vous avez humilié. Vous êtes la honte d'un village. Vous êtes la honte d'un département. Moi, je suis fier d'être une Baranté. Parce qu'elle dit que non. Même si mon village est le plus dernier du village du monde, tout le monde doit respecter mon village. Vous êtes la honte des Barantés. Bah, vous avez besoin de visibilité, des j'aime. Si tu as besoin de j'aime, viens t'appeler, tu clashes. On va te regarder. Tout le monde qui clash a la visibilité. Il n'y a pas la magie sur ça. Il n'y a rien sur ça. Tu clashes, tu auras la visibilité. Tu insultes comme Marie à Satan, tu auras la visibilité. On la connaît par rapport à quoi? Parce qu'elle insulte. Elle a déjà porté quoi de bon? Elle pavane partout, elle dit pour insulter. Là, tu es qui toi? Tu ne peux rien me faire. Je dis que je ne suis pas compresseur. Comprends que ce n'est pas le chantage. Maintenant, toutes les filles qui sont auprès de toi, les mamies congolaises, les camionnets, les Mirabel Langois, alias supermarché, quand elle marche, elle monte, tu as vu un talon? Quand elle met le talon, tu vois comme c'était une ancienne transsection de 1960. Quand il met les talons, il marche là. Tu vas rire fatigué. Elle marche là dans ses bancales. Elle vient s'asseoir, elle vient parler. Une ancienne prostituée de Bois de Vincennes. Vous encouragez quoi? Alors qu'elle a humilié vos sœurs. Alors que vous faites le même métier. Vous vous en rigolez. Vous croyez qu'on a peur de vous? Vous croyez qu'on a peur de vous? Toi, Mirabel, là, tu crois qu'on a peur de toi? Tu as volé. Tu es venu accuser mon frère Baranté, mon père. Pégo, c'est mon père, c'est un tamandou. Tu as compris? Tu viens d'accueillir qu'il a volé, que c'est toi qui avais volé. Tu avais volé 7000 euros, amis intimes, pour aller nourrir le Bangala au Cameroun. Pour aller nourrir le Bangala au Cameroun. Le gars, il va au Cameroun, il t'a dit que Baba, il a vomi sur toi. Que tu es ça, un homme. Que quand tu es il est sur le lit avec toi, il croit qu'il est avec un homme sur le lit. Parce que tu es lesbienne avec ta copine et que tu marches toujours là. C'est qui marche avec ta meilleure amie, c'est là avec quelqu'un que vous bouffez les chattes. Tu es tombé sur Eloge. Tu as fait le razzia de tous les Camerounais de la France, de Paris, de bit en bit. Tu as compris? Moi, Lolo, je n'ai pas peur de vous. Hein. Ah non, 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 non. Détrompez-vous. Vous avez choisi mal la veste. Je suis un conteneur de filles. Quand vous voyez que je suis plus autant d'Aïdjo, je suis plus autant d'Aïdjo. Ah non, du Fiaouman. Et toi, Eloge Messina, je te laisse encore parce qu'on m'a dit que. Tu es quand même un petit frère. Quand il te coche encore, putain, le mensonge n'a pas de longues jambes. Je te mets tes voices. Je dis que mon téléphone, c'est mode enregistré. J'ai mis cette application. Tu ne m'as jamais donné 200 euros. Jamais. Je t'avais demandé 200 euros. Tu m'étouffais. Tu m'appelais à 4h du matin. Tu m'appelais à 5h du matin. Tu m'appelais à 6h du matin. Tu étais dans tous mes directs pour me faire des avances. Pour me dire comment tu m'aimes. Tu me dis comment tu es ceci. Tu es français. Tu es allé aux États-Unis. C'est ton ami Mitterrand qui t'a amené en France. Tu as une maison à ton nom à Saint-Denis. Tu as payé une maison à Saint-Denis à ton nom. Tu as une voiture. Tu m'as raconté tout un beau balaba. Toute une histoire. C'est-à-dire que l'autre, tu n'es pas mon. Je ne veux pas. Alors, je suis m'appelé que bon, écoute, envoie-moi 200 euros là, s'il te plaît. Je vais aller à Monaco. Je savais que tu n'avais pas. C'était une façon de te chasser. Et quand tu m'as pas appelé, tu m'as vite rappelé. C'était une façon de te dire que colle-moi la paix. Tu me dis que tu es maman Honorine. Maman Honorine, c'est une commerçante. C'est notre maman, nous tous. Si tu viens au pays à boire, elle va te refuser. Elle va refuser l'argent pour quoi?
Elle va prendre l'argent. Il y a quoi? C'est toi qui paye ses impôts. C'est moi qui paye ses impôts. C'est moi qui paye ses factures. C'est normal. Elle doit vendre. Elle doit vendre. Maman Onoï doit vendre. Alors, si je suis chez maman Onoï, moi-même, je ne vais pas aller chez maman Onoï quand je veux. Quand je serai payé prochainement, j'irai manger chez elle. J'irai la faire la recette. Tu veux voir si elle va me dire que mets-toi dehors? Non. Parce que c'est une commerçante. Tu es venu ici en eau. Tu as ta profession. Tu connais ta profession, non? Éloge Messina. Tu es dans ta profession. Brookinta, tu es dedans. Arrache-rache, tu es dedans. Je ne finis pas le reste. Vis ta petite vie de série avec ta Nelly Linda. Collez-moi la paix, je n'ai rien avec vous. Ce qu'elle voulait parler à Nelly Linda, c'est que Nelly Linda doit se méfier avec moi. Elle n'a pas venu se faire voir derrière les faux profils. Alors qu'est-ce qu'elle a fait le Congo ça? Quand on fait le Congo ça, on demande pardon à son ami, je dis que je ne vais plus jamais refaire. Nelly Linda, tu sais de toi, moi. Si tu crois en Dieu, si tu dis que tu es ma soeur Banganté, comme tu le dis, tu es ma soeur, je ne peux pas nier, nous parlons la même langue. Nous sommes obligés. On va se retrouver un jour au village. Mais ils seront au point de Banganté, mais ils seront au marché de Banganté, on va se retrouver. Je m'abstiens encore sur toi. Je m'abstiens encore un peu. Je devais te massacrer très mal. Parce que moi, je ne blague pas. Hein. Si tu tousses encore sur mon nom, sur la toile, ma chérie, je vais oublier qu'on parle le Mendjimbe. Parce qu'il y a Banganté, hein. Toi et moi, on parle le Mendjimbe. Il y a Banganté, il y a le département du Ndé. Et dans le département, il y a plusieurs dialectes. Toi et moi, on parle la même dialecte. On parle le Mendjimbe. Pour moi, c'est très important dans la vie. Mais nous restons les enfants du Ndé en plus. Et tu es fille du Ndé, comme moi. Donc, évitez souvent de faire des choses. Et nous sommes des Camerounaises. Je vous avais dit une fois que je n'ai pas envie de diviser le Ndé à cause de vous. Ou de diviser le Cameroun, ou de diviser l'Ouest à cause de vous. De grâce. Lime tes ongles tranquillement et paye tes gigolos. Quand tu es ouvert, tu dis que le gars m'a connu il y a cela quelques temps, il m'a offert un anniversaire. Tu mens. Quand nous étions en Allemagne, tu m'as dit que tu as fait ton anniversaire dans un château hors de Paris. C'était déjà programmé. Le petit Ndjangi que tu as bouffé, là, tu allais te faire plaisir. Oh yeah, vas-y de l'avant. Je ne suis pas contre. Si tu es heureuse, je serai fière parce que ici en Europe, il y a tout l'enjachet. Chacune cherche une place sur son lit. Donc, tu as trouvé une place qui peut te chauffer le soir. Laisse qui te chauffe. N'entre pas dans les histoires que ça ne te regarde pas. Ne me cherche pas à bec. Tu as compris? Ben, quand tu parles Banganté, tu manges Banganté. On me dit souvent qu'il ne parle pas bien Banganté, mais il me debout. Moi, tu me que mon lard d'un femme. Ou lard d'un femme. Je suis un peu plus Je suis un peu plus tranquille. Avec quelqu'un, les gens comme vous là, je vous enregistre, n'ambiant, propre, sans pitié. Et j'assume. Parce que c'est toi la première, Marie à Satan. Je répète que Marie à Satan, ce n'est pas le nom de Marie la Rose. Marie à Satan, ça n'avait pas dit que comment on s'appelle Marie, on est Marie à Satan, non. Marie à Satan, c'est l'histoire d'une prostituée de l'hôtel de ville à Yaoundé. Elle était très jalouse, elle tuait tous ses collègues. Et cette prostituée-là tuait ses collègues. Elle était tellement jalouse que le jour qu'elle est morte, on n'a même pas vu son corps. C'est la Boro de Lila que j'appelle Maria Satan. C'est son nom. C'est moi qui ai mené ce nom dans Facebook. Qu'elle veut déjà récupérer et faire sa prédation. T'as pas. Je n'ai même pas envie de dire que c'est de je vais te montrer que tu sois française, ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas enfler la loi. Quand tu es hors la loi, c'est enfant, on te condamne. On te condamne. Tu es parti en sur, tu as tapé poteau. You don't knock poteau. C'est le poteau que tu as pris là-bas. N'ambiant. Un big up à toutes les Suisses. À toutes les femmes dignes de la Suisse qui ont fait Apollo à Maria Satan. Apollo. Tu as eu. Elles t'ont dit non à la nudité de la femme sur la toile. Elles t'ont dit non au chantage. Elles t'ont dit non aux injures. Elles t'ont chassé.
tu es entré. On annonce Marie à Satan, ma chaise est bien. C'est comme si tout le monde avait le super glue en bas de la chaise. Personne ne s'est levé. Le super glue. L'esprit de Madame Biaï a triomphé. Madame Biaï a triomphé. Elle a dit que tu touches à ma fille. Mon bébé chéri. L'or. Mon or. Mon enfant. Ma première fille. Mon devant derrière mon poumon gauche. Je vais te frapper. Tu étais dans la salle là comme si tu étais. Regarde comment tu étais. Tu tournais la salle. Tu collais même bien les gens. C'est rien que le début. Gossiam. On ne s'attaque pas aux gens. Tu as fait ma copine Maléba. Je suis maintenant pour avec compétition. Que nous sommes. Je suis devant toi. Deux dans la tête. Parce que tu es venu me faire avec. Tu es allé chez ton président, le Bozaïe. Là, vous avez fait une réunion sur moi. Tu as dit que non, là j'ai fait l'amitié avec elle. On va la piéger. On va la détruire. J'étais informé. La fille qui était là, jour que le président de Bozaïe parlait au téléphone, c'est elle qui est venue me boss. Elle est venue me crier en inbox. Quand j'étais là ce jour, quand elle a appelé pour me faire le plan sur toi. Mais ton plan n'a pas réussi. Tu dis que tu es un peu, non? Il va te montrer que moi j'ai traversé les frontières avant d'arriver. J'ai traversé les frontières de deux pays avant d'arriver en France. Que moi j'ai fait la guerre de rue. Ce n'est pas que tu dis que tu as fait avec les Nandja. Les Nandja sont les qui? Nous on a fait avec les Équato, les filles guinéennes, avec les Gabonaises. Qu'on dit que la bagarre de rue. Tata Lolo RFI International. BP Glace Libreville. Amalabo. Demande à Joséphine Bayan. Elle va te dire. Si elle est franche. Elle va te dire qu'elle est Lolo. Demande à Joséphine Bayan. Je l'appelle son nom. Si elle est franche. Elle va te dire qui est Lolo. Peut-être que tu as même parlé de moi. Demande, elle va te dire. À Malabo, quand une Camerounaise avait les poids avec une Guinéenne, c'est moi. Je portais 36 en pantalon. Je sautais comme la tisse. Vous ne me connaissez pas. Vous êtes jalouse de moi. Vous êtes jalouse de mon succès. Vous êtes jalouse des messages que j'apporte sur la toile. Vous êtes jalouse. Et je serai bel et bien à la soirée de Cécile Dema. Vous avez commencé à vouloir saboter sa soirée. Vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Cécile Dema, c'est une debrouillade. Je suis venu se lève le matin pour travailler. Elle organise une petite soirée. Vous commencez que je ne vais pas venir à sa soirée. Pas. Tu es qui? Qui t'invite? Ne viens pas. Tu ne viens pas, ça sera salle pleine. Bah, tu apportes la poisse. Cécile Dema, c'est une femme humble. C'est une femme qui côtoie tout le monde. Elle est gentille, elle est marre. Ta présence n'a pas d'importance dans une soirée parisienne. On t'a déjà dit non à Paris depuis. Tu peux venir après, les gens s'élèvent sur toi. Il n'y a que les vieilles truches là, les vieilles peaux là, qui sont en voie de je sais pas quoi, les vieilles bombes là, qui peuvent s'accrocher derrière toi. Ceux qui paient les bangas, les hommes doigts là, qu'elles appellent, disent que mon gars m'a pété 20 000 euros, je vais commencer à donner vos noms. Je vais commencer à donner vos noms. Vous partez prêter aux hommes doigts là, puis ils vous baissent. Il n'y a que les femmes là, qui peuvent suivre. Les vraies filles parisiennes. Comme ma grande Céline Gassé, la comtesse de Lille. De la comtesse de Lille. Elle ne peut pas. Je connais ma bique. Elle ne peut pas. D'abord, elle nous regarde. Et tu regardes quelqu'un comme les caca. Une vraie fille d'une dé. Elle ne peut pas. Comme ma fille Nadia Runa. Niette. Qui te calcule ici? À Paris, qui te guette? Tu viens racoler. Moi, de démunis, c'est chez Melengui. Le tourne dos. Pourquoi pas aller aux Champs-Élysées? Fais un pas là, Lolo. Une fille qui s'assoit, qui mange au canton. Qui mange au canton. À quoi me parler? Pardon, c'est mélangé dans Facebook. Tu connais porter le talon. La robe que tu as portée hier, tu as imité ça chez moi. J'ai la même robe. En Roberto Cavalli. Tu as triché chez moi. Tu me triches. Je mets la fourrure pour ta fruit. Je mets la chapeau. Tu vas aller acheter la même chose. Je te donne le défi. Tu vas mettre ça. Je suis ta styliste. Tu t'habilles. Je suis ton miroir. Je suis ton modèle. Voyez, on la. Alors, ça te dépasse sur le côté là. Comme les savagants, c'était pas là hier pour te maquiller. Ou c'est qu'on appelle Junior Senga là. Ton visage, comment ton visage était hein? Comme pour le mouk. Comme pour le porc. Comme. Le gongongong. Tu vas voir. Il n'y avait pas de make-up. Nous là, on se make-up seul.
Je me bats à ma manière. Je sais tout faire. Que me mettre les trucs, c'est les cils. L'artiste, je mets tout seul. Je lapse comme ça là. On va pas, tu vas crôner plus que tout le monde. Tu vas étouffer là sur la tête. Tu es qui? Tu vas étouffer tout le monde. Celui-ci part, tu as fait quoi? Tu travailles les fonds. Tu sais, tu peux attraper José. Tu as dit que grâce à qui a fait quoi? Que grâce à qui a que sa porte est ouverte? Je n'ai pas envie de parler de grâce de Capa. Je t'ai dit hier que c'est un monument, c'est un monument, c'est une légende, c'est une autre artiste, c'est notre préféré. Si tu veux que je parle un peu de grâce de Capa, tous les doigts là vont s'investir. Moi, j'ai intérêt de rester tranquille. Je dis que nous l'aimons. Parce que connaître ta tactique. Je sais comment fonctionne. On ne tombe pas dans ton piège. Grâce de Capa ne peut pas te recevoir dans sa maison au Cameroun. Tu veux mes côtés. Tu ne peux pas entrer chez elle. C'est une femme sawa. Les femmes sawa sont dignes. Élégante, elle n'aime pas la saleté, elle n'aime même pas le bavard. Le bavard de là. Vous signalez, regardez les poules mouillées. Eh, un jam jam. Vous avez peur? La chancelière se repose, dis donc. Elle va nous faire un petit Achille. Elle se repose, elle laisse sa copine sur les règnes. C'est que si ça bique, même si on se gâte, on s'arrange. C'est ça l'amour, l'amour et tout. Même si elle dit que je la déteste jusqu'à ce que c'est seulement les mots. Il ne passe pas à ça. Les gars, on... oh non, ouais, quand elle veut vous voir si c'est dit. Il y a soeur, il veut appeler soeur, c'est un gars. Ma chère soeur, elle se prend de conscience. Grâce à qu'elle était habillée comme toi, Lolo. Ah, mais attends, ma chérie dit que la fille là, elle m'imite sur tout. Sur tout. Dès qu'elle a mis la perruque, elle est partie mettre la perruque. Hé hé. Tu n'as pas fait que tu laves les gens sur Facebook. Il va t'apprendre comment c'est là. Tu n'es pas encore bien propre. Tu es encore sale. Tu m'as fait du dos. C'est au bout d'un été. C'est en été. Je suis une femme propre. Je suis spotless. Je suis belle. Oui, oui. J'ai du style. Et je suis chic et c'est glamour. Le 27 février à la soirée de Cécile Dema. Viens voir ce qu'on appelle le chic et glamour. Les Parisiens t'ont dit non, on ne te veut pas, papa. Ah, reste dans ta campagne. On ne te veut pas ici. On t'a dit non. Et ceux qui vont te dire oui, elles auront affaire à moi. Tu as trop fait. Tu as trop sali la diaspora. Tu as trop humilié la diaspora. Avec ton top thème. Tu as trop fait. Maintenant, hein, vous ne nous faites plus peur. La peur est finie. Maintenant, tout le monde va faire les directs. Fleur Karine, direct. Laurent Mengue, direct. Tout le monde. Nous allons tous faire les directs. Tu as humilié la femme africaine. Donc, tu ne peux pas représenter la femme africaine dans une soirée. Tu parles de la femme. Jamais. C'est que tu ne peux pas représenter la femme africaine au Canada. Je dis à toutes les Canadiennes, mères de famille, je dis non à cette poufasse. À cette chienne, à cette rombienne, celle qui a raté sa vie, c'est toi qui as raté ta vie, parce que tu n'as pas d'homme. Tu n'as pas d'homme. Il n'y a pas un homme qui va se mettre avec toi. Ma chérie, tu dis que je crie, j'aboie jusqu'à. On m'a donné mon nom d'abonnement RFI. C'est pas aujourd'hui, mais j'ai toujours la collée. Je n'ai jamais vécu célibataire. J'ai toujours eu un homme avec moi. Je suis une femme au foyer. Je n'ai jamais été célibataire. Renseigne-toi aux gens qui me connaissent. Que tata Lolo a toujours vécu avec un homme. Au Gabon, j'avais mon gars. À Malabo, j'avais mon white. Et plus mon Guinéen. Obi Peni, le Chris Brown des Équateurs, des Guinéens. Excusez-moi, ma famille guinéenne, j'aime dire Équateur comme au Gabon. Des Guinéens. Le Chris Brown, Obi Peni. T'as compris? Dans le manger avec les enfants de bien. Demande à ta jeune fille, ben, parle que Barbac, c'est la vérité. Mens pas. Moi. Quand tu as malade, bon, j'étais respecté. Respecté. Tu as compris? J'ai mis ma photo, j'étais en malade, bon, noir et blanc dans mon Instagram. Regarde comment j'étais là. À l'époque, il y a des années, comment j'étais belle. J'ai les yeux revolver. J'ai un joli nez de blanc. Une belle bouche pulpeuse. Tu as quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu m'as monté? Enlève ta perruque comme ça là. Enlèvement de perruque. Challenge. Enlèvement de perruque. Tu sautes ta paille, saute pour moi, lave le mec comme mon visage. Si quelqu'un va pas prendre le marathon, ça va aller le derrière. Quand il va te voir,
J'avais pas de mara qui n'a pas de l'eau. Il tombe même. Hé, maman, tu n'avais pas de l'eau. À moi, je suis ta grande sœur. Tu es là, tu. Hey, vraiment, il faut te respecter. Si je te fais ce, je vais te faire écouter une partie de tes voix. Et si vous toussez encore, tu vas t'attraper. Moi, je suis méchante, hein. Ça là, je voulais pas le faire. Toi, la grosse tête de Ndioko, qui t'atteint tout le vouri là. Tu as une mamie Karamba, une mamie Congossa internationale. Tu m'as donné le nom de la fille qui couche avec Flo en dehors de Coco et tout. Je vais mettre sa photo sur mon mur. C'est dans ses voix. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Nelly Linda sait que ce qu'elle dit est vrai. Je vais l'épargner. Un peu. Elle arrête. Comme ses fesses grattent comme les feuilles du macabo là. Tu aimes le Mbangala? Prends ton Mbangala là tranquillement. Enlève mon nom dans ta bouche. Et ne mets plus ta bouche dans le problème de Tchoumi avec ses soeurs. C'est les soeurs même père, même mère. Ne mets plus ta bouche dedans. Et toi, Myriam, là, tu es ma soeur Bassamba. On a monté ton tote qui a ridé partout. C'est la graisse que tu as laissé ton corps qui est descendu en bas du dos comme ça. Ferme ta bouche dans les histoires dedans. Quand tu reçois des points, personne n'entend dedans. Tu es lié avec cette famille à vie parce que vous avez un enfant. Sors dans ça, Myriam. Tu es ma soeur Bassamba. Je ne peux pas t'insulter. Tu me donnes jour là. Arrête l'ordre. Qu'elle n'a même pas se jouer de toi. Laisse Nelly Linda sur ce bangala ambulant tranquille. Reste chez toi. Nelly Linda sort dans les histoires de Tumi. Et tu arrêtes d'envoyer. Tu vas envoyer la police. Tu me dis que je suis méchant. Nelly Linda, tu as escroqué Nadia Runa. Ma fille Nadia Runa, c'est ma fille. C'est mon enfant que j'ai adopté ici en France. Je peux la bouder quand je veux. Je peux pas être ma fille. Tu l'as escroqué. 1 500 € pendant un an. Elle paye le loyer, tu prenais ta part. Quand elle a dit qu'elle ne voulait plus payer le loyer, madame, tu as dit que tu vas appeler la police. Tu allais menacer le monsieur qui donnait la maison à Nadia Runard. Alors que c'est ta sœur camerounaise. Toi, alias Marie à Satan, la sorcellerie que tu es parti prendre là-bas à la même nuit. À Fokwe, où tu as pris l'autre Togo, comme tu es parti le Togo, pour aller combattre Marie Larose. Arrête ça. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Parce que tu es méchante. Tes copines avec qui tu es là, avec qui, toute cette bande-là, il n'y a personne qui t'aime dedans. Fais l'erreur de mourir, tu vas venir me dire le lendemain. S'il y aura une parmi elles, qui va envoyer 100 euros à Tchoupi 2 mois après. Personne. Concentre-toi sur ta vie. Tu as perdu ton immeuble à cause de ton gros cœur. Tu vas venir chanter là que tu as l'immeuble. Tu n'as rien. Rien. Nada. Ne leur réponds plus, Lolo. Hé, hey, maman, attends, ils peuvent lire. Bonnie, ne leur réponds plus. Ne leur réponds plus, Lolo. Oh là là. Ma chérie. Hey. Donc, j'ai la pierre à la place du cœur. Je ne dois plus répondre qui. Ils me font peur. Je leur ai dit qu'ils ont dit que compression a maigri. Oh, depuis que vous me sachez encore plus 3 kilos. Hein. Je suis même en train de vouloir maigrir encore les 3 kilos. Je grossis tous les jours. Et depuis que vous me sachez là, je réussis toujours mon make-up. Mes lèvres sont toujours pulpeuses. Et j'ai un regard revolver. Vous pleurez ma beauté. Autant que vous êtes, j'ai vu dossier gringalette. Elle-même, elle est gringalette. Elle appelle les gens gringalette. Ou à quel point vous êtes gris. Gabiski. Gabi. Lorraine même, Maëlle va même, ma soeur même, même, jusqu'à. Tu as compris? Mes soeurs même jusqu'à. Faut qu'on n'a pas de soeur. Son frère qu'elle a rendu infime, il est au Gabon. Je vais sortir ton dossier. Là, c'est pas pour toi. Faut que tu te laisses. Je ne vais pas parler de toi parce que ça va embrouiller. Je veux juste te dire que vous êtes une bande de
pourri. Depuis que vous êtes arrivé dans la toile, le Cameroun a perdu la moudre. On n'arrive plus à s'amuser dans Facebook à cause de vous. Nous, les Camerounais n'avaient plus à commenter les photos de X ou Y parce que madame est venue avec sa secte diabolique. Mais nous sommes prêtes. Jusqu'à la gare, comme avait dit ma fille Daphné. Jusqu'à la gare. Balata, ton pied, mon pied. Jusqu'à la gare, à vous combattre. Je suis là. Et je demeure là. Va dans tous les directs. Va voir tous tes présidents de pépettes. Tes parents qui ne servent à rien dans la société. Ils partent de prendre les médailles qu'on décore les champs avec celles-ci en Europe. Pour venir dire qu'ils sont les bassesses. Ils ne sont rien. Retour aux sources. Le restaurant de la douane n'est plus un restaurant de tous les deux. Les questions des ailes de poule. Vous rentrez, vous asseoir là-bas. On vous a appelé. Hey! Chouba, chouba! Tostas, tout le monde à terre. On va danser. Tu dis que quoi? Que la fille qu'on est seule a fait quoi? Je t'avais insulté. Je n'ai même pas encore fini avec toi. Et t'avais insulté. Tu es qui? Qu'on ne t'insulte pas. J'adore mon couple, mais ça en est bien. C'est le couple de l'heure. C'est le couple chic et glamour. Ce n'est pas le couple de Babangida AliExpress, jamais. Mais sans, c'est un homme qui a le nom depuis de 1900, ouais, en Suisse. C'est un homme qui a fait. On a vu. C'est un homme qui demeure. D'abord, de un, il a la taille. Il est grand. Un homme doit avoir au moins 1m75. T'as pas 1m70. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a même pas comparaison. Oui, oui, on va danser le mendiant. Mais ça est grand. Sa femme est chic et glamour. En dehors d'être élégante, elle est belle. En dehors d'être belle, elle est jolie. En dehors d'être jolie, elle est douce. C'est ça la femme. Ah oui. Et c'est mon couple de baisse. C'est mon papounet. À l'heure, là, il sera en direct à 20h. On va aller soutenir le couple du siècle. Qui ne sont pas couverts, qu'on n'aide pas la télé-réalité. Mais dans la vraie vie. Oui. C'est le couple méchant. Ah oui. Le couple chic et glamour. Le couple de pénampiant. J'ai dit, vous allez me faire quoi? En dehors de tap, 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 tap. Ne montons plus les vibrateurs. Vous voulez monter qu'aux gens. Vous voulez monter qu'aux gens. Que les femmes peuvent se manger à l'aide d'un goutte. Jamais de la vie. L'ombit reste l'ombit ta vie. L'ombit reste l'ombit. Consolez-vous avec vos goûts. Parce qu'il n'y a pas l'ombit pour vous tout. Nous, on en a pour nous. C'est mais quoi la chair humaine. Est-ce que Dieu est fou? Ah, merde. Tu vois le zorban à côté, on te dit que voilà le zorban, voilà le vibreur, tu prends quoi? Tu vas prendre le zorban, tu vas prendre le tintin. Je prends le zorban, mais j'arrache même seulement en battant avec. Hein? Tu marches avec les filles qui t'insultent, tu dis que big up à la team, n'est-ce qu'un team? Ces filles-là ne t'aiment pas. Parce qu'elles savent que tu n'es pas bien. Elles le disent que tu mens beaucoup. Que tu es une mauvaise fille. Oui. Elle ne t'aime pas. Tu es seule dans la vie. Concentre-toi pour te trouver un homme. Même si c'est le gigolo. Tu vas trouver. Tu peux être la femme la plus milliardaire du monde. Quand tu n'as pas la chaleur humaine là. C'est zéro macabo. Moi j'ai ma part. J'ai ma part. J'ai papa Fodja. Vous avez mis mes fesses au musée mondial de Facebook. Mais mon gars est resté. On appelle ça voix sans toucher. Oui, 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 oui. Vous avez pu voir sans toucher. Et je cherche mon profil. Saleté Lydia est où? Parce que vous l'avez déjà bloqué. Saleté Lydia doit revenir. Nous allons vous combattre. À la guerre comme à la guerre. Tata Lolo International.
Les filles de la suite ont dit que foire à la merde. Foire à. Je suis en train de chasser comme un chien pourri. Tu étais là-bas, la soirée était un chaos. Il n'y avait pas le monde. Échec total. Tu as tapé pour ton ampion. Achouka. Tu as chié sur toi, les caca ne sortaient pas. J'ai bien serré mes fesses. Nampien. Tapé pour ton biou. On t'attend au Canada. Celle du Canada là, elle va partager les biens gratuits comme d'habitude. Ça sera la table de Henneken. Je vous le dis. Parce qu'elle est une mère. En dehors d'être une mère, à moins, je dis à toi, à moins du Canada là, tu oses, je ne t'ai jamais prononcé. La première année, je ne t'ai jamais insulté. Non, je te dis la vérité. On m'avait parlé de toi une fois, il dit, ben, pff, je ne parle pas avec les chefs. Je me suis arrêté là. Je n'ai pas continué. Mais toi, tu as un direct pour dire que, même si on l'a publié, arrêtez de venir dire que vous avez pitié d'elle. Elle dit que vous avez pitié. Tu prononces mon nom, pourquoi? On se connaît. Je suis ton ami, toi. Je ne te connais pas. Tu as les points matin, mais basta, tu as fait les points matin là-bas, vous êtes des grandes filles. Mais tu cherches toujours à mêler Lolo dans ton histoire. Mais pourquoi tu me cherches? Je suis en Canadienne là. C'est mon chéri qui m'a envoyé ça du Canada. Mon prince. Tu me cherches. Tu aurais dit que. Donc, comme on avait publié Marie à Satan, toi aussi tu étais d'accord qu'on publie Marie à Satan. Si tu es d'accord pour moi, ça veut dire que tu n'es pas une bonne amie. Tu veux seulement que Marie. Tu as été. Tu allais jusqu'à renvoyer ton voyage. Parce que c'est que si Marie à Satan n'est pas ta soirée, tu es zéro. Une promotrice des soirées doit promouvoir aussi la culture camerounaise en invitant des artistes camerounais dans leur soirée. Parce que quand tu invites un artiste camerounais, tu pousses cet artiste à aller encore entrer en studio. Parce que l'argent que tu lui donnes, cet argent-là, ça peut lui faire acheter même un CD ou acheter même sa maison. Ça lui pousse à aller encore en studio. Ce qui fait en sorte que la culture, la musique camerounaise s'élève encore plus. Je ne vais pas nous prendre des prostituées, des gold, des beats, des bangalas venus dans les soirées, des jeunes, des étudiants au Canada. Mais ma terrible, mais on va où là? Mais attends, le monde va où? Mais vous prenez exemple pour des idiotes ou les idiots? Mais t'es folle ou quoi? Mais en moi, tu t'as l'eau dans le cerveau ou tu étais normal? Jusqu'à payer les gens pour clasher ta mounjo. Ta part va sortir avec les preuves à l'appui pour te dire que tu es méchante. C'est là, tu resteras la boniche de Patricia Mounjo à vie. Et déjà, c'est fini, elle ne peut jamais te parler. Parce que le problème ta copine, tu oses payer les faux profils pour l'insulter et revenir après dire que ma préférée. Préférée de quoi? Mais il faut prouver ton mari, elle n'est pas lesbienne. Il faut prouver ton mari. Mais vous prenez exemple pour des idiotes. La soirée veut dire artiste. Quand tu veux être promoteur d'une soirée en France, tu dois faire venir un artiste camerounais. Comme c'est que Cécile est en train de faire. Pour la première fois, Gérard Ben sera à Paris. Le 26 ou le 28 février, à la salle de chic, la soirée de chic et glamour, Bissé Cinéma, elle mérite des encouragements. Parce que là, elle nous amène un artiste que tout le monde a envie de voir. C'est ça ce qu'on appelle une promotrice des soirées. On ira chez Mimi Volpone. Parce que Mimi Volpone nous amène un artiste ivoirien qui fait le buzz du moment avec Bébé Kyozé, le prénom de Dieu sur le temps. On ira encourager Mimi Volpone. Nous irons encourager Mélène Nana qui va faire la soirée de Guilou, une légende. Le 10 mars à Bruxelles. C'est ce qu'on appelle des promoteurs des soirées. Tu viens d'être promoteur des soirées, mais attends, tu es promotrice des soirées, des bites, des brènes, tu sais, les femmes sur la toile, c'est toi là, à moins. Tu n'es pas promotrice. Quelle soirée du jour de la femme que tu as fait quoi? Tu as fait quoi du jour de la femme? Quand toi-même, à moins là, tu oses quitter le Canada pour venir t'installer dans la maison de Manal Antonganès, du père de ses trois enfants. Parce que tu as les différends avec elle. Tu te lies à une femme pour nuire à la vie de trois enfants qui ont besoin de leur père depuis 6 ans. Quel est ton rôle en tant que femme, en tant que mère? Tu ressembles à quoi? Si tu n'es pas sorcière, tu es quoi? Tu as le vampire au corps. Parce que mon âme, t'a fait quoi? Elle t'a tué qui? Elle t'a fait quoi au point de faire 7 heures de voyage pour venir détruire sa vie? Pour les histoires de cuir et de bangalas, les histoires de. Je ne sais pas. Je ne parle pas avec pour marier à Satan. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire contre elle. Parce que c'est quand même une femme. La preuve en est
Quand ma belle-sœur Michelle Somba, parce que c'est ma belle-sœur, c'est pas ma copine. Quand ma belle-sœur Michelle Somba a été harcelée par cette fille, Maya a failli tuer Michelle Somba. J'ai vu Michelle Somba agoniser les nuits à cause des injures de cette fille. Un acharnement qui n'a pas de nom. Elle a dit, tata, Lolo, ça ne peut plus aller, je vais mourir. Si je n'étais pas là, si Lorraine n'était pas là, nous l'avons soutenue, elle est maman ministre. Elle a pris ses mains, il était photo là-dedans, quelqu'un, je ne sais pas où. Ça s'est retrouvé sur la toile. Tu étais habillé. Tu étais en lingerie. On voit les Adriana Camber. Tous les jours, c'est en lingerie. On voit les Rihanna presque à nu. Mais l'enfant, pas un problème. Tu allais remettre ses photos et tu as scellé, tu as traité de sidène. Insulté sa mère de prostituée. Son enfant de bâtard. Mais c'est ce qu'il en avait marre. Mais jusqu'à là, j'ai pris ta part. Moi, Lolo, et son mari est vivante. Lorraine Meng est vivante. J'ai dit non. Elle est une femme. Elle est une mère. Elle n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Tu n'as pas le droit de lui faire ça. J'ai tapé toi, moi et ma copine. On se disait pas. Avec ma belle, on se disait pas bonjour. Mais toi, à moins la vampire, la sorcière du Canada. Oh là, tu dis que les femmes qui sont. Que, tu es parti ramasser ton sauveteur au Cameroun. Parce que tous les hommes du Canada t'ont dit. Ils ont mis la croix rouge sur toi. Que tu es trop laide. Entre la chèvre et toi, il n'y a pas de différence. Tu voulais qu'elle parle de toi, non? Je vais alors parler de toi aujourd'hui. Et je vais voir ce que tu avais fait. Fais ça en direct. Je n'ai rien à foutre. On est au courant de tous les mots là. Vous avez tout dit sur moi pendant que vous regardez. Tu as pas compris. Tu as pris cette. En tant qu'une femme qui représente la femme camerounaise dans la diaspora canadienne, une mère et ses enfants ont des problèmes. Une mère et ses enfants ont des problèmes et son mari ont des problèmes. Parce que vous avez eu des différends. Tu fais 7 heures de voyage, ma chérie. Tu peux entrer chez Mana, le mari de Mana, ton avec sa couépouche. Là, tu t'assois, dis que c'est ma meilleure amie. Ya! Yeah! Ah ouais. Ya! Yeah! Ah ouais. Ya! Yeah! Ah ouais. Tu as fait la même chose avec Maria à Satan demain ou après demain. Ya! Yeah! Ah ouais. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi? J'ai même vu comment Maria s'est regardé les gens là le jour. Tu sentais qu'elle ne voulait même pas le contact avec eux. J'ai vu. Pas qu'on m'a dit. Elle ne voulait même pas le contact avec eux. Elle était même pas éloignée d'eux. Elle ne s'approche même pas de Maria Satan. Parce qu'elle au moins, quelque part, elle essaie un peu de réfléchir. Mais toi, tu n'es pas vampire que tu es quoi. Tu cherches quoi de Mandela Tonganès. Elle a couché ton mari. Elle a fait les enfants, le père de l'enfant. Tu étais là quand ils sont connus. Laisse les deux femmes là faire le bagarre. Mets-toi à l'écart. Madame la féministe. Madame la féministe en moins du Canada qui soutient la femme, qui détruit la femme, qui rend les enfants orphelins de leur père alors qu'il est vivant, c'est toi en moins du Canada, Nayou. C'est toi la sorcière. C'est toi la vampireuse. Tu souilles la femme bangantée. Tu es la honte du nez. Une femme s'élève et insulte les femmes de ton pays, que les filles de ton pays ont les enterrées dans les champs des rails. Tu applaudis. Tu dis que oui, c'est vrai. Salope. Regarde-moi comme elle est laide. On dirait que c'est la vache qui rit. Tu viens dire qu'on est baraté. Oui, c'est vrai. Mon père l'a enterré dans son village. Derrière sa maison. On l'a pas enterré à Kribi. T'as compris? Oui. Tu as enterré tes parents à Yaoundé. Moi, mon père l'a pas enterré à Kribi. Tu oses ni humilier ta copine. Mais attends, mais je vais te dire quelque chose. Ah non, 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 non. Oh non, 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 si c'était ma copine qui me disait ça, je vais dire, non, ma chérie, tu sais quoi? Non, 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 je suis bangantée, ne parle pas mal de mon village. Non, 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 là, même si on va être amis, comment? Là, je te dis, stop, c'est mon village. Tu as manqué du respect en vous, Sadou. Tu as manqué du respect aux enfants du nez. T'avoir prouvé. Et cet animal, cet énergumène, ce mollusque, ce chien, ce rat. Cet imbécile qui prend dans les vidéos et dit que cette fille est méchante. Tu t'es regardé, toi? Un beau garçon baranté. Tu vois que je n'ai pas les gars barantés? Tu as vu Kamo la Panthère? Tu as vu Stéphane Fodja? Des garçons élégants. Ils ne mettent pas les bonnes histoires des femmes. Ils nous observent, ils regardent, ils rigolent. Tu fais quoi dans les histoires des femmes? Je suis baranté. J'ai appelé pour dire que. J'ai appelé pour dire que Lolo est mauvais. Tu me connais où? Tu me connais où? Tu connais Lolo Mbiaï où? La fille de mec qui porte le nom de son père. Maya, ça ne porte pas le nom de son père parce que c'est un enfant bâtard. Elle n'est pas née dans la cour familiale. Moi, je porte le nom de mon père, bien même bien il est Patricia. Montez le nom de vos mots. Montez vos actes de foi. Montez vos actes de foi. Mbiaï a fait 16, c'est le port de son nom. Il n'y a pas un Mbiaï qui ne porte pas le nom de Mbiaï. Nous sommes 16. Montez vos actes de naissance.
Vous parlez la main de mon père. Mon père au moins fait sa parole pour vous. Hein? Je reviens chez toi, moi. À moi du Canada, j'appelle à toutes les femmes canadiennes, la femme camerounaise consciente, la femme au foyer, la mère d'enfant, de dire non à la soirée d'Angouin. Angouin ne fait pas la soirée des femmes camerounaises. Angouin fait la soirée des prostituées des gauches. Les femmes, Angouin fait la soirée des femmes qui humilient la nudité de la femme sur la toile. Allez chez PDG José Canadienne, parce qu'elle a au moins déplacé un artiste camerounais, qui est Guy Manou. Certes, Guy Manou, on a petit des différents papa, mais je veux dire, ça veut t'encourager. Il y a au moins Guy Manou qui sera là-bas, c'est un artiste camerounais, il a au moins chanté, on l'a vu. Lui, qui sera accompagné de Marie Larose, la PM, notre Togolaise, la Togolaise camerounaise. Oui, nous, on t'a reconnu. Aujourd'hui, on t'a utilisé comme papier hygiénique. On va te jeter comme la CF. On va te jeter dans le cabinet. Et moi, j'étais rassé, j'étais pris, j'étais mis sur moi. Je te ramasse, je te prends. Je te mets dans mon cœur. Et tu restes là. On nous ira au Cameroun. Le président le monde Tchenga prépare ton arrivée. Tu vas atterrir au Cameroun. Une sale chienne. Avec sa bande. Ils ont lancé une campagne de sabotage sur le monde Tchenga ici là. Une campagne de dénigration. Vous n'avez pas pensé qu'il est un père de famille? Vous n'avez pas pensé qu'il a les enfants, qu'il a une femme? Même si vous voyez sa femme, c'est son épouse. Et alors, tu regardes avec quoi? Tu as fait 2 mois de mariage avec le vieux blanc là? Hein? Tu as fait 2 mois de mariage? Tu as lancé une campagne, tu as inventé qu'il était un partouzeur. Alors qu'il ne t'a jamais dragué, toi, la saloterie de la poubelle municipale de l'Allemagne là. Mais je ne la couche même pas parce qu'elle était manipulée, j'étais là. Elle n'a jamais été d'accord. Ne viens pécer le long français. Tout le monde a les cadavres dans le placard. Je n'ai pas de cadavres dans le placard. Mon père veut répondre. Raoul Kawasaki. D'accord? Un mois, il faut que nous lâchions les baskets. C'est la soirée des gauches. C'est la soirée des femmes qui partagent la nudité. La chatte où vous êtes sortis. La chatte où vos mères vous ont accouché, ont poussé pour vous élever. Et moi, c'est mon entier. Vraiment, vous les cas, il n'y aura que les étudiantes là-bas. Gal, là où elle n'organise pas la soirée parce qu'elle veut faire honneur à la femme. Là où elle organise la soirée parce qu'elle veut faire la concurrence avec la PDG canadienne qui fait la soirée classique et glamour. Qui représente la femme des associations du Canada. Qui œuvre pour les œuvres d'humanité au Cameroun. Pas pour les gaudes. Pas pour la saleté. Les grâces de la vie, hein, non. On s'associe pas avec le diable. Là, une légende comme toi, grâce des cas. Tu veux changer une soirée à moitié vide. Quelle honte! Mais mon Dieu, oh mon Dieu, mais putain, mais quelle honte, oh dis donc, ma Daphné a fait carton plein partout, ma Daphné a fait carton plein partout, Daphné a fait des ravages, Daphné succès total, et c'est comme ça que notre chanteur là ici, ma fille Nori fera le succès total en Belgique, tu pars dans une salle vite. Hein? Une diva comme Chantal a dit, comme grâce des cas, tu étais accompagné de Lucifer. Les Suisses ont dit que non à la nudité de la femme. Non aux déchets humains. Non à la propagande de la femme nue sur la terre. Non à la prostitution. Notre jeune n'a pas besoin de ça. Oui, Tata Lolo, elle est pute, comme vous le dites. Mais oui, Tata Lolo se cache parce qu'elle sait que c'est pas un métier honorable. Parce qu'elle sait que c'est un métier à risque. Parce qu'elle sait, c'est pas un métier à se vanter. À se vanter sur la toile. Oui, c'est la raison pour laquelle dans le cash. Faites autant. Oui. Par la si fait la soirée, quand elle se mord des malades du sida. Parce que Galassie, dans la, ben, à moins, elle est dans la type où les gens parlent des sidéens, insultent les malades du sida, alors que notre mère Chantal Biya au Cameroun. Fait des campagnes pour soigner le sida au Cameroun, pour aider les malades du sida. Et ici en Europe, en moins, dans une six mois, on insulte les malades du VIH. Sans oublier qu'il y a des orphelins du VIH. Il y a des orphelins du VIH et des femmes innocentes qui ont tapé le VIH.
Il y a des gens qui ont tapé le VIH par accident, accidentellement. Mais vous vous en moquez. Vous insultez les siens. Vous insultez les gens. C'est vous, votre secte, que vous avez créé sur Facebook. Alors que Chantal Biya, au Cameroun, est de ces malades-là. Pendant que au moins veut accorder, veut organiser une soirée de ces personnes-là. On vous a trompé hier. Qu'on ne veut pas vous tromper aujourd'hui. Soyez conscients. Je leur ai crié sur la toile. Quand j'écris, c'est pour envoyer un message. Je ne crie pas pour faire du buzz. Non. Je crie pour envoyer un message. Je ne suis pas là pour crier pour faire du buzz. Alors, c'est ça, là, c'est ça qui me ramène. Toi, à moins, une femme mariée qui est mère de deux filles, deux petites filles, deux belles petites filles, quitte du Canada, abandonne son mariage, son lit conjugal, pour venir sur une prostituée qui est au travail dans les chambres d'hôtel. Elle te fait larguer pendant 7 jours. Tu renvoies ton billet d'avion parce que tu vas attendre la prostituée. Et pendant que ton mari est en train de baiser la Sénégalaise au Canada, tu n'as pas eu l'impression que tu es une femme coquifiée, que tu es une femme trompée. Ton mari était en boîte ce jour avec ta copine sénégalaise. On l'a vu et j'ai les photos. Hein? Parce qu'il en a marre. Il n'est plus heureux avec toi. Ton mari, c'est Facebook. Ton mari, moi je ne suis pas encore mariée. Je suis encore une femme célibataire. Mais je ne peux pas dire le nom marié. Si c'est le nom marié qui vous dépasse, moi, il y a pris ma part. Ndjor, Fondia, c'est là, calé, signé. Moi-même, je me suis fabriqué ce nom. Vous prenez pour qui là? Tu as quitté la pop. Moi, je suis pour toi. C'est ta soeur Baranté. C'est ta soeur Dundé. Tu dis que moi, je suis Baranté de Pentonga, c'est l'Ondé. Vous n'allez pas diviser l'Ondé. Vous n'allez pas diviser le département d'Undé. Nous sommes tous des enfants d'un même département. Qu'elle soit Tonga, qu'elle soit Bamena, qu'elle soit Massé, c'est une Banganté, c'est un enfant d'Undé. On a une seule, un seul endroit où on va pas signer le truc. C'est la mairie de Banganté. Quand on va aller loin, on part à la province à Bafoussam. Ne venez pas signaler, ne venez pas diviser et détruire les gens. Nous en avons marre de votre propagande mensongère sur le net. Vous m'avez traité de tueuse. L'autre m'a dit que elle écarte la couche. Je l'ai envoyé le message qui me dit que la couleur que son enfant sera le teint de son enfant, la peau. Il sera blanc ou il sera noir avant l'accouchement. Pas même pas grand chose. Le jour qu'on va nous dire, dis-nous ça maintenant. Parce que je suis sûr que c'est à centaine. On ne connaît pas le père. Ça doit être un sperme de passage. Non, ne viens pas me dire, c'est toi qui accouche. Mais donne-moi la couleur des parents des enfants. Je n'ai rien avec toi. Je t'ai soutenu ici quand tu étais dans la merde. J'ai pleuré avec toi. Mais des jours et des jours, tu fais la campagne sur moi. Tu manques d'être au Gabon. Tu manques d'être au Cameroun. Même toi, tu as tué ton mari en France. C'est toi qui l'avais étouffé avec l'oreiller. Viens m'arrêter, j'ai dit ça. Tu parles que ma fille, elle est sainte. Elle va voir quoi, les pétéraux? Elle n'est pas un homme. Elle va voir les pétéraux. Ma fille est cambrée. Demain, la tante Kavine va te dire. La pulpeuse bébé de Lola. Hé, hey, ma Louise Gloria. Mon bébé à moi, vous allez voir Louise. Elle sera une grande dame. Le travail de sa mère, maman Lolo, et je suis fière de moi. Mes enfants ne dorment pas dans les familles d'accueil. Ma fille ne dormira jamais dans une famille d'accueil jusqu'à ce que je meure. Oui. Même si je suis dans le trou, elle va dormir avec moi. Même si où? Jamais une famille d'accueil. Jamais. Chez les gens. Et vous venez parler à la fille de Mbiaye. La fashion girl. La fille qui fait trembler. La tsunami de Facebook. Vous voulez parler la femme de Pinkin. La tsunami de Facebook. Moi, Lolo Fodja. Tu peux me parler? Il dit qu'elle fait. Ouais. Regardez-moi ces petits souris là. Ce qu'on parle, vous voulez me dire. C'est de moi, moi là. Tu ne sais même pas. Regarde comment tu t'as habillé à l'anniversaire. Tu étais délaissé à l'anniversaire. Une fille barantée, maman. Ouais, Julie Gaé. Ouais, ma soeur Julie Gaé, maman. Ouais, Kokolo, YouTube Paris. Zengante. Nga. Non. Non, 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 ça revoit. Ça revoit. Yeah, Mok Fou Paris. Tu t'es regardé, ma chérie. Tu étais à l'anniversaire comme si tu étais perdu. Même ta soeur Nelly qui est dans ses
dans ma tête, je ne pas. Jusqu'à les faux prophètes, on va dire que ouais, montez ma maintenant. Montez ma maintenant. Montez ma maintenant. Comme la souris là. Hein. À moi, je vais mettre tes lunettes. Les lunettes à moi. Quand elle met ma passe, ça me va. Je ne sais pas, je suis même belle comme ça dans Tata Lolo. Oh, dis donc, toi aussi, Seigneur. Comment je suis belle comme ça, Tata Lolo? Je vais même récemment, moi, ça ne donne pas. Oh, Tata Lolo, c'est comment avec toi et ton visage de poupée là? Oh, quand on la pente, elle m'a dit, je suis narcissique, que j'aime tout, je m'aime trop. Oh, Tata Lolo, comment tu es belle comme ça? Oh, je vais même m'imiter en moi, les lunettes, ça ne donne pas. Moi, top. Hey! Oh, la mère du Nori Photo! Ma baby girl, oh Cocolo, la mère de Daphné, la seule fille qui a parlé dans le sur la tour, ça fait boum. Nous sommes calés. Vous-même, vous allez chanter calé. À cause de ta Lolo, vous allez chanter Tonight. Hey, c'est chaud à Bruxelles. L'O2, hey, avec Mimi Volpon. Tata Lolo va écarter sa fille. Envoyez les têtes de moi au travail, bande de chiennes, de pourritures, de salopes. Ah moi tu es venu à Paris, tu es entré dans la maison de trois enfants. Tu n'es pas féministe à moi. Tu es sorcière. Tu devais plaider auprès de ces hommes que non, mon frère. Mais tu es prêt à tes enfants. Protège ces enfants-là. Envoie-leur de quoi manger. Rien que le déjeuner. Le premier à bientôt 16 ans ou 18 ans, il va aller à l'université. Qui va payer son école? Tu te réjouis quoi que sa mère n'a pas de carolo. Et qui va élever ses enfants si elle ne travaille pas? Ils vont devenir quoi demain? S'ils deviennent des délinquants, s'ils deviennent la racaille. Tu auras dit quoi à tes enfants? Tu vas dire quoi? À moi? Sors dans ma famille. Alexandre, c'est notre beau frère à vie. Tu vas mourir de savoir. Mais, Emma Antoine est plus belle que toi. 100 000 fois, même plus que sa co-épouse. 100 000 fois, elle est plus belle que toi. Le jour comme la nuit. Tu as fait 2 accouchements, elle a fait 5. Mettez-vous de bon point. On choisit. Mettez-vous de bon point. On choisit. Tu sais comment tu es formé? Les jolis hommes aux doigts, tu n'as pas. On a même fait la manicure, ça ne ressemble à rien. C'est toujours c'était les doigts du singe. Tu rien ne change sur toi. Tu veux même le faire en éteint. Rien. Tu veux savoir, au film de Rouen. Putain. Mais connais-nous la paix, merde. On en a marre de vous, hé. Bête la merde. C'est quoi? Prostitution. Tu es la mère de prostitution au Canada. À moi, PDG prostituée du Canada. Tu fais la soirée des gouttes. De la nudité. Tu fais la soirée qui insulte les malades. Qui insulte les cinéens. Qui a voulu détruire la carrière de l'homme. À cause d'une lunette par côté que tu as acheté. Tu connais payer les 20 lunettes. Ça là j'ai payé à 5 euros, à 10 euros. Quand il paye 5 mois, c'est lui qui paye. Le vote tu peux. Où est ta crèche? Je ne pas laver les mamies derrière le restaurant d'un Sénégalais. Tu ne peux pas payer pour toi. Quand vous êtes trop riche, les bas milliardaires, paye ta part de restaurant, voit. Par de ça, on ne peut pas faire son restaurant, tu peux imiter. Pour gâter pour ta copine, jalouse, ou pas de ou pas de toc, Yuta, tu dis que tu es la fille du chef Banganté, tu es la fille de la chefferie, et on insulte une fille de la chefferie, quand on vous enterre les champs des rails, tu applaudis, chien fou. Voilà le cadeau de Nelly Njoko. Je ne vais pas mettre tout. Comme le tournoi dit que je n'ai pas. Je mets un avant-goût. Arrêtez. Tout le monde n'est pas enregistré. Nous tous sommes pètes comme vous. Je vais demander à mon Seigneur, mon Père, mon Roi. Pardonne-moi pour cette geste que je vais faire. Parce qu'il y a le moment où il faut le faire. Je sais que tu n'aimes pas quand je me comporte comme ça. Toi, le Dieu que ma mère priait, tu n'aimes pas que je me comporte comme ça, mais dans la vie, il y a des moments où il faut dire non. Cette fille d'abord, il y a encore l'autre guignol, l'autre casserole, l'autre pimp, qui est là-bas aux États-Unis, que ses pieds ne tiennent pas par terre, là. La vieille mère, là, qui va appeler là-bas, je tortue, il y a pour dire que, elle a dans le direct, dans le noir, pour dire que je ne suis pas branté, là, l'ancienne grosse, là, viens assumer ton compte, tu as ma fille, Nadia Runa. Elle est forte, mais elle est belle, élégante, et chic et propre. Pourquoi vous allez enlever vos graisses? Gardez vos corps. Pourquoi c'est quand une femme est mince qu'on est belle? Vous pouvez insulter le colorer l'être. Comme moi, je mets mon enfant au Kadibi. Montre ta petite fille, je vois. Montre ta petite fille, je vois. Regarde d'abord ton garçon.
un beau petit garçon, tu sens qu'il n'y a pas l'entretien. Tu vois mon petit frère qui vit au Cameroun. Ngosa, Pepe, tu m'allais parler que Lolo. Amène ton petit frère en bain. Il est chaud à mort. Mon chouchou, la laine là. Mon bébé à moi. Ah putain. 1m90. Mignon visage comme ça là. Le bébé de Lolo. Oh là 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 là. La reine galloise. Pardon, il a dit que la reine galloise, elle avait déjà dit son premier mot. Le reste des mots là, je ne gère pas. Elle avait dit que Lolo c'est ma soeur, l'autre c'est ma copine. Même si elle vient changer après, ce n'est plus ça. Je n'insulte pas. C'est ma tante. Si elle ne veut pas m'insulter comme elle veut, m'en fous. Mais elle n'avait pas la réponse. Je ne la réponds pas. Mais je voulais parler d'Angoué. La Nadia Runa, ma fille là, elle assume ses rondeurs. Je n'ai que des filles belles. Regardez-moi la vie tant que le mannequin de l'Ouest, une idée. Vous voulez quoi? J'attends le loin entouré de beauté. Regardez Rêve Ndiaye. La peau de Ben. Regardez Julie Lambert. Je n'ai que des beautés. Les quêtes Mercedes, les Maïlis Maga. Où est-ce que Maïlis Maga est? Quand la sept, mettez aussi les fous. Mettez les bottes comme elle. Mettez les bottes. Maïlis Maga met les bottes avec les culottes. Mettez en voix. Vous voulez parler de Lorraine Mengueson, Macron à Madrid? Vous parlez de quoi? Vous voulez imiter? Et le grand Katus est là. Et quel est le bébé chéri de Tata Lolo? Mes enfants sont là, on est Lolo compresseur. Vous voulez parler de ma Victoria Beckham? Moi, je me donne le nom la compresseur. La Victoria Beckham. La compresseur, c'est pas facile à garer. Ah, j'ai dit que c'est ma copine, c'est ma soeur, elle en piang. J'ai hâte de me dire que je suis fatigué. Le jour qu'elle va compter, il m'a dit que bon, ma big, j'ai compris. Pour le moment, elle est encore en colère. On laisse le cœur, va se calmer. Mais elle vous a fait appel. Je vais répondre. Non, Paul Macron, je ne réponds pas. Hé, Paul Macron, je ne réponds pas à la reine galloise. Je ne réponds pas. Je vous ai dit que Zakola est belle. Elle cherche aussi à parler. Laissez-la là-bas. Zach de Zach est belle. Zach de Zach est belle. Elle dit qu'un bina son gars, que lui-même, on connaît son comptoir. Tout le monde connaît son comptoir ici à Facebook, c'est lieu 5. Ne veux pas m'en parler de Zach. C'est la tante de notre sportless. Ne veux pas m'entrer dans son jeu. Elle ne peut pas rester là-bas. Elle me suggère chez la Starmania. On connaît la Starmania, ça s'arrête là-bas chez Mich, au 18e. Laissons le côté là. Je ne veux pas m'en parler mal. Je l'aime bien. Même comme elle est toujours de vouloir tout faire comme si. On laisse. Paul Macron dit que. Paul Macron! Hey! Voilà notre spotless Paul Macron qui est entré en... Aïe, maman. Je suis parti dans un nouveau Congo, ça. Connexion Japap, maman. Connexion Japap, maman. Allez vous abonner. On fait quoi là-bas? Aïe, j'ai vu la vidéo dans moi là-bas. Connexion Japap. J'ai ri jusqu'à... Moi, comme je suis pissé, j'ai même fait pipi encore sur le lit. Ça a arrosé tout le lit. C'est dit que yes, tata Lolo, tu es forte. Connexion Japap. Vous voulez c'est mal les bébés. Arrête. Ma copine, depuis voilà. Paul Macron. J'ai dit que connexion Japap. On a lavé. J'ai vu le direct que Wakatoro a fait sur moi. J'ai dit que yes, vous êtes fort. Non, je laisse la reine galloise. C'est ma tante. Vous parlez quoi? Elle va passer au village. Je discute avec elle. C'est même insulte. La malédiction qu'elle prend sur elle-même. C'est sa soeur qui va lui répondre à la tombe. Quand tu insultes ta fille. Vous voulez les voice? On va mettre un peu de voice. Un peu de voice. Maya, c'est ta tante. Je sais que tu es là. Écoute bien. Mets bien ton oreille. Tes copines à deux balles. Et celle-là qui est partie arracher le... Je ne suis pas venu là pour ça. Oh yes! Oh! L'Andonga de 52 pays. Janet. Ah non, ma sister. Ala yusute avingo kan sonti una fode mi la ndonga for douala they don't bond me for kibi I don't waka just I don't reach for Europe one see me down dochi down bunga you can't live with me don't get sense hey mama il faut demander éloge messina avec les gars qui sont au Gabon sont des collègues de service hey demander éloge messina. Votre nouveau matelas là, votre gigolo ambulant, je t'insulte même avec me faire. Quand il me connaît ou il me connaît pas, mon des amis en commun. Je suis là en gars de Madagascar. Moi, je peux parler les petites pistes qui ont dit que
Une fille n'a pas de parfum. Moi, j'adore, moi. Mon parfum avec moi. Moi, j'ai le parfum, je suis malade. Je vais passer encore pour dire big up pour mon Canadien. Les gars, moi, je suis. Alors, fais big up mon Canadien. Oh là là. N'allez pas chercher, personne ne connaît. J'allais aller saboter, parce que t'attends le chien, qui bavarde comme ça là. Je bave, mais tout, je lave, je s'habille, je passe, et je tourne, je fais tout bien. Et après, je vais faire la peau, je bave, je pompe. Envoyez le plaisir, n'en pion. On met un peu de vent, je ne mets pas beaucoup. Vous aimez trop. Voilà. Ouais, j'ai dit que le couple, je vous dis que le meilleur couple de la toile, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas sa race. Le grand Katu signale, mais t'as dit que c'est des poules mouillées. Lolo laisse seulement la fille là. Un big up à ma fille, Noé, que j'attends. Oh, ouais, mon poids, mon bras de monter. J'ai fermé ma bouche. Regarde-moi ce sale chien. Il était bloqué dans un pian. Non, Lolo appelle les matelas sur pied. Impérial. Bon, je mets les voice parce qu'on va couper. Parce que Maïla, oh oui, Maïla Rose bientôt sera en direct. Il faut pas que. C'est où ça? Maïla Satan, mets-toi en ligne, écoute ce qui se passe là. Compris, non? Flo sait que je connais son dossier de lesbianisme. Flo ment! Vous avez entendu? Je remets encore. Il y a deux. J'ai coupé, hein? J'ai coupé le voice. C'est long. On ne va pas aller loin. Que Minanus vient encore ouvrir sa bouche, je mets l'intégralité. Elle a dit que ici, là, que Flo sait qu'elle connaît son dossier de lesbianisme. Je vais faire encore écouter un autre. Ben, j'ai coupé. Vous n'avez pas bien compris. Ce n'est pas facile. C'est un voice qui prend sur le cerveau. Ça enregistre naturellement. Ce n'est pas que je l'ai enregistré. Mon téléphone est sur mode enregistreur. Quand tu m'appelles, ça enregistre direct. Que quoi? Tata Lolo, s'il te plaît, dis que tu es belle. J'aime quand tu dis, ah, oh, mamou, je suis belle. Je suis belle, Busca. Nampéan. Je suis belle. Ouais. Même le mec comme ne convient pas à tous les jours, à tout le monde. Ah, moi, mais le mec comme ça, ça change. Moi, je me suis belle. Ouais. Marinette. Vous avez bien compris, non? Même Marinette. Elle, je vais vous faire encore écouter une bonne partie là. Non, vous avez entendu, non? Donc, si vous continuez, je mets l'intégralité. C'est deux heures.
2 heures de Kongosa. Nelina, j'espère que tu t'es rappelé de ce jour. Comme j'ai mis là, tu as entendu bien. Donc maintenant, tu vas te rappeler de tout ce qui s'est dit. Tout ce qui s'est dit. Vous avez tant fait. Vous avez failli tuer ma belle-sœur Michel, Michel et Somba ici là. C'est ma belle-sœur jusqu'à demain. La femme de mon frère. Vous avez insulté ma belle-sœur Lorraine Meng ici. Vous avez insulté Marie-Louise Maga. Vous avez insulté mes amis, les Sujimoto. Mes amis à moi. Vous avez insulté ma philo. Vous avez insulté la mère de compresseur. Vous avez insulté les nièces de compresseur. Vous avez insulté ma fille. Maintenant, il est temps que je vais vous massacrer one by one. Allez faire maintenant 100 directs Lolo d'or. Je bois un coca tout à l'heure. Je me taffe une cigarette. Je me couche. Ciao. Maintenant aussi, je vous fais encore écouter. Nelly, c'est une... Il y a Nelly et Nelly Linda. Nelly Linda, je laisse. Pour le moment, je sais qu'on va dire que je suis je laisse. Parce que celle-là, si l'autre, Maïa, ça entend sa partie. Ouais, Lolo Fondiao. Oh, maman. Londo, vous a fait quoi? Le Congo, ça vous a fait quoi, les fils? Un infleur. Ma femme a dit qu'elle ne doit pas répondre. Elle va manger son poison derrière vous. Son poison derrière vous. C'est 2 heures comme ça là. Je vais couper que morceau, morceau. Morceau, morceau. Comme si on coupait le soya. Couper, couper, couper comme ça là. C'est tap, tap, étape par étape. Pour voir encore vos sales bouches, je parle. Et Maïla, tu balances ta part de voice. Ben, Maïla aussi a sa part. C'est comme ça. Vous allez fermer vos clapets sur la toile là. On en a marre de vous. Vous avez tant fait du mal. Maintenant, il faut stopper ça. D'accord? Arrêtez ça. Faites des alliances pour venir me tuer. Venez même sans. Et vous montrez que je suis une gars, une gringo du dehors. Une blessée de guerre. Ah oui, j'ai pas bu les pipis de chamois. Hein, mais j'ai bu la regab au Gabon. La regab. Et la Samiguel à Malabo. Et vous montrez que je suis une autre wanted. Chouane. Vous signalez pourquoi? Vous n'avez pas dit que vous pouvez. Ouais, ma fille était vengée. L'ambiance. Ma chancelière. Tu as le rendez-vous, champagne, tu dois boire. C'est mon âme, il te donne. C'est mon âme. Si je te donne, si tu veux, tu me fais le si j'appelle, ce n'est pas grave. Et là, Néline, tu es musclée de partout. Grosse. De... Ma fille, d'ailleurs, elle n'est pas musclée. Elle est chère. Elle est féminine. Oh putain. Elle est féminine. Tu es dans la tête comme le je ne sais pas. La noix de coco de Kibi est petit. Le large bidon de le plateau de la Damawa. Et Dieu. Tes yeux montrent que tu t'es drogué. Ah bon? Ah ben dis donc, c'est pas la drogue. C'est toi qui m'achètes la drogue. C'est merci chérie. Au revoir et merci. Comme je me drogue avec la pipe de ta grand-mère. Ta grand-mère qui m'achète ça souvent. Oui, oui. J'ai bu le San Miguel à Malabo avec le Mahou. Chérie, j'ai les yeux qui dorment. J'ai les yeux revolvers, c'est naturel. Je n'ai pas pris de drogue. J'ai les yeux revolvers. Jaza Goldman a chanté pour moi. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première et m'a touché. C'est Tata Lolo qui a les yeux revolvers. La classe en personne, la beauté plurielle, tu es la plus belle. Hé, hey, le grand Kati, tu connais, tu peux finir avec moi seulement. Aïe, la mère Inori, un big up à toi, ma fille chérie. Inori Fotio, nos bébés de Tata Lolo, on va danser comme les stars. On va danser, ta mère sera ta, je serai ta chorégraphe, ta danseuse le jour là. Je vais porter le pantalon, je vais danser quand tu vas chanter. Je vais mettre ma casquette comme ça là, comme ça, comme une yoyette, comme ça. Il remet quand la mère Beko, la mère qui rappe, il va rapper le jour là avec ma fille dans le pian. Ah oui. Et il va vous dire, quand on fait la promotion des soirées, quand on dit qu'on fait la promotion d'une soirée d'un artiste, on ne mange pas la langue, on ne mange pas la langue. Quand on dit qu'on fait la promotion d'une soirée, il faut savoir chanter cette chanson là. Ah là 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 là, c'est quoi ça? Ando la mumio. C'est quoi ça? Tu sens que tu n'es pas vécu. Tu n'es pas vécu.
Tu as eu quand on peut chanter les anciens Makossa. Tu sens que c'est une gaga qui avait fait les matinées les jeunes à Alpha Yaoundé. Oh, dis donc. Tu l'entends, on chante les anciens Makossa. Mais comment? Quand moi, je chante mes mamans gay, même quand je suis pas droit là, tu fais la promotion de la tige et tu chantes ce morceau. Quand ils mettent ça pour chanter là ici. Quand ils mettent bébé Kérosène. Toi là, tu manges avec la danse du catch. Comme ça. Tac, maman. Hé. Hey, il va encore faire écouter. On va se dire au revoir. Va faire 100 vidéos. Parce que maintenant, tu vas faire comme le lion. La dernière fois, pour Maï, là-haut, tu as soulevé. Tu as écarté comme ça. Là. Le tout, si. Tu vas mettre ça à Chevan. Tata Lolo est là pour te. C'est collé jusqu'à la gare. On a des filles à you. Une a soumonga souté. Tu es petite. Hein? Yes. Ah, je me dors, ça fait quoi? Je filme la dorée avec ça. Maman, je me dors, non, bien. C'est un pouillé. Maman, Foufou qui me livre souvent. La veuve de bomba, c'est ma copine pouillé, c'est ma co. Je me dis, maman, quand ça va, quand tu vas pendre les enfants, ça ne dépend pas me donner, je lève. Comme tu es écarté, moi, je vais lever. Mais donne-moi seulement le teint. Ils sont noirs ou ils sont. C'est tout. Le reste, là, je suis fier de toi, je suis contente pour toi. C'est tout. Je suis contente. C'est une bonne nouvelle. C'est pour montrer que le miracle vient de toi. Le miracle vient de toi. Toi qui insultes les femmes tous les jours, que les femmes sont stériles. Voilà que Dieu a fait un miracle pour toi. 19 ans après, le Seigneur t'a honoré. Il t'a encore donné un dernier enfant. Ça veut dire que tu dois fermer ta bouche et rester tranquille. Dieu pourra faire pour les autres. Il a commencé à te dire que, comme tu dis que elle ne peut pas courir, toi-même tu es stérile depuis 19 ans, après tes deux enfants, je vais commencer par toi avant de finir par les autres. Il a commencé par toi, tu vas d'abord voir avant nous. Par exemple, tu vas voir 9 mois. Interdit, je te vois encore boire. Hein. Je te vois encore avec Dagobert en main, tu es morte. Je vais te laver si tu veux bien. Tente encore de prendre Dagobert. Ou tu prends encore la poudre là. Essaye, tu vas voir. Je vais m'asseoir sur toi. Par exemple, pas peur de toi, je suis là pour porter les enfants. Je protège les gars, tu as oublié de boire, donc tu vas voir pendant 9 mois. C'est ta souffrance là-bas, tu m'as parlé déjà trop. Quand tu prends, ils vont même parler, ils vont dire, grand et ils vont t'étouffer là, tu vas plus parler. C'est moi qui te dis ça. Qui dit que, tu dis à qui? Rosine Léa, tu dis que quoi, travailler sans salaire. Tu te dis à moi, t'es bloqué, ici on ne parle pas mal de Tata Lolo. Ici, c'est la team compétition, la team, la puissance qui est la représentative de Marie Larose et le mouvement de Tata Lolo. Un big up à Marie Larose, un big up à cette la force. On va finir. C'est un mon bébé d'amour, je t'adore. Le reste, oh, bébé. Ma bébé, c'est la même manou. Ma bébé, c'est ma bébé. Je te bloque. C'est quoi? Tu as été bloqué, va. Oh, merci. Vous dites tout que, oh, c'est des exilabigos à toi. Vous dites tout qu'on vous mettez quand vous êtes. C'est vous qui travaillez. Vous allez travailler. On passe le couple, mais ça, non, attendez, on va suivre le dernier voice parce que. Attendez, on va suivre le dernier voice. Alvin, ma chère, dis-que ne t'amuse pas avec moi. Je vois venir, je connais pas de quel camp tu es. Donc il faut aller doucement avec Tata Lolo, hein, parce que moi, à l'heure, je suis SS sans sentiment. Hein. Faites très attention, hein, parce que quand il me déchaîne, c'est très dangereux. Donc faites très très attention. Ouais, où la galerie là? Ciao, bisous, allons, on va chez le couple méchant. Je vous aime, bisous. Manou, ma belle, je ne pas de m'encourager, je la vois pas, elle est où? Bisous, Louise Gloria, Gloria Louise, bisous.
On va sur le groupe message et